Ok, bonjour, bonjour, bonjour. Je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas pourquoi je joue à ça, mais aujourd'hui, je vais jouer à Nostal, ou Nostale, comme diraient certains. Je joue avec Nelly, parce que Nelly, c'est un de ses jeux de son enfance, de quand elle était jeune. Moi, je jouais à Dofus, elle jouait à Nostale. Nostal, je vais dire Nostal, hein. Et je sais pas, elle a eu envie de jouer à ça aujourd'hui, du coup, on va jouer ensemble. Je vais jouer avec Nelly. J'ai baissé ma cage, je pense qu'elle est trop haute. On verra si je la change de position après. Voilà. C'est pas un jeu que j'avais déjà essayé moi à l'époque. J'avais pas accroché de fou. On va voir comment ça rend maintenant en Big 2024. Et c'est tout hein, au final. Du coup, on va rejoindre Nelly de ce pas. Voilà tout. Voilà tout. Mon micro il fonctionne bien. Oui, j'ai lancé tout. J'ai lancé tout. Allô? Hello. Parle un peu vite fait, je te dis si ton son il est fort. Ok. Ok, ton son il est Voilà. fort. Ton son il est un peu fort. J'ai baissé ton son vite fait sur Discord. Ça Ça marche. devrait être ok. Du coup, je vais me créer un perso, j'imagine toi aussi. C'est quoi A et M métier? Je crois Tu qu'il y as a un truc créé ça bloqué. où? Bah, quand tu fais ton perso, il y a un truc métier, mais niveau 80 bloqué, genre. Je sais pas, je connais pas tout ça. Enfin, genre. Ouais, non, je sais pas. Bon, bah on verra J'imagine bien. que. Ouais, j'imagine que quand t'arrives niveau 80, tu peux créer de nouveaux persos. Avec une autre spé, genre. Ouais, j'imagine. Enfin, genre, autre genre de perso, autre histoire, peut-être, j'en sais rien. Bref, je Ouais, m'appelle sûrement. Raquette. Let's Mais go. je vais péter la gueule de quelqu'un. Pourquoi? Il y a déjà Raquette? Ouais. Moi, je m'appelle Nailee. Du C'est bon. premier coup. Je m'appelle Raquette. Départ. Allez, go. Go. 1, Ah, je me 2. dis, j'ai déjà cliqué sur départ. T'as dit go, j'ai cliqué. Ah bah super. Hein. Désolé. Ah, what the fuck? Salut. Ah, je te vois. Oui, mais attends, mais c'est trop bizarre parce que moi, ça marque acte 1, l'arbre de Fernon. Ça te l'a marqué toi aussi, non? Non. What the fuck? Parce que ça me l'a marqué moi sur mon écran, mais ça s'affichait pas sur Twitch, sur OBS. Ah, bizarre. Mais C'est moi, je trop. l'ai pas eu. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, bizarre. Ouais. Est-ce que je lis ça moi haute voix? Bah vas-y, hein. Attends. Je vais monter un peu ma cam pour que ce soit au-dessus du texte, c'est bon. Bonjour Raquette. Est-ce que je lis à haute voix pour toi aussi ou est-ce que je lis que pour moi? Vas-y, lis pour moi aussi, comme ça moi aussi Ok. je vais Bonjour entendre. Raquette, bienvenue dans notre beau village de Noseville. Je suis Mimi Mentor, je fais partie des fondateurs du village, heureuse de te rencontrer. Et moi J'accueille les j'ai pas nouveaux. la même chose. T'as pas la même chose toi? Bah en fait moi elle me disait pas Hello Raken, nanana, elle m'a dit juste je suis Mimi Mentor. What the fuck? Peut-être que j'ai cliqué sans faire exprès, je sais pas. Vas-y, tu peux recommencer, Peut-être. on va continuer. J'accueille les nouveaux aventuriers et leur présente les habitants du village. Ne perdons pas de temps, notre village est en danger. Notre ville est infestée de sinistres créatures dont on ignore l'origine. Certains habitants pensent qu'elles se sont introduites dans l'espace-temps, par l'espace-temps. Waouh. Ça prendrait trop de temps de tout expliquer en détail maintenant. Bon, tu es sûrement avide de savoir exactement de quoi ils retournent par ici. Je vais donc tout te raconter au fur et à mesure. Ah putain, et mon perso il parle aussi du coup. Je veux bien vous aider, mais ce n'est un peu trop risqué. Il manque pas un mot? Ouais, il manque un peu. Ma foi. Mais ce n'est un peu trop risqué pour une nouvelle recrue comme moi? Chacun d'entre nous a des forces et des compétences spécifiques qui se développent au fil du temps. Tu n'as simplement pas encore eu l'occasion de découvrir les tiennes. À partir de maintenant, tout le monde à Noscamp. Noscamp, tu penses? Je Le sais pas, pays. moi j'ai nos camps. À Noscamp t'aidera à t'entraîner, à entraîner tes compétences et t'apprendra à mieux gérer tes forces. Allons-y, nos ennemis, eux, oula, ne nous attendront pas sagement les bras croisés, et si nous commencions par quelque chose de facile, c'est parti. Fini le dialogue. C'est parti. Les mou. Ah putain, c'est pas ZQSD pour bouger? Non, c'est avec la souris, ouais, c'est vrai. Ah J'ai merde. oublié ça. Ça va être horrible. C'était trop drôle. Ah, on peut appuyer sur Z pour attaquer, sinon ils se disent. Oui. Attaque secondaire, parce qu'ils me disent les deux curseurs, mais sinon Z. Attends, Z? Moi, je Ouais, l'ai ou pas tant simple. bien. Il glisse pas ça. Moi, il est marqué avec le curseur sur un monstre, clique les boutons droite et gauche de ta souris ou simplement appuie sur Z. Ah oui, t'as raison, Enfin, pardon. même, il y a marqué appuie. Ouais. Appuie Z. Mais bien ton jeu, Nelly. Hein. Sois tranquille. Roule la molette de ta souris pour zoomer, ouais. Déplacer
déplacer le souris avec le bouton droit, pousser. Elles sont tranquilles. Oh. Le clic gauche sur la mini-carte déplace aussi votre personnage. Une brève information sur l'endroit est montrée. Pierre d'espace-temps, point du NPC. Ah, NPC. Ok, choisir 1. Choisir 1. Ok, aller sur une autre carte. Ok. Suis la flèche. Ok, t'es où? Je suis à côté de toi, là. T'es là. Salut. Ça va? Ouais, je crois que je t'envoie une demande d'amis. Ouais. Ok. Attends, je m'en coupe. Let's go. Je suis maître du groupe. Confirmé. Allez, viens, suis-moi. Je t'emmène. Oh, j'essaie de t'admirer, apparemment. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je peux pas. T'es pas niveau 30. On n'est pas niveau 30. T'es où? Oh, je suis là. Je suis la flèche. Quelle flèche? Ah. La flèche, t'as une flèche au-dessus de ta tête. Ah oui, ok. Allez, viens. Attention, on rentre en même temps dans ton cercle. Ah, d'accord. Ah, mais je crois qu'il fallait qu'on y soit tous les deux, par contre. Parce qu'on est en groupe. Ouais, quand on est en groupe, ouais. Ah, c'est bien pensé, ça. Parce qu'on va pas se mentir, même FF14, je fais pas ça. Hein. Ah. Comment on attaque? Ah, comme ça. Pourquoi j'attaque au truc? Parce que t'es pas à côté. Je comprends pas. Si je clique, on a augmenté le niveau. Si je clique une fois dessus, ça attaque ou pas? Ah oui, ça attaque tout seul. Ok. Non, tu l'as appuyé deux, tu l'as double-cliqué. Oui, après ça attaque tout seul quand t'es double-cliqué, non? Ah oui, ouais, normalement. Okay. Ramasse tes sous, toi. Ça part? Ça disparaît si j'attaque, je crois pas. Ouais. Attends, je me fais bolos. Oh. Excellent! Tu as accompli ta première mission avec brio. Il est grand temps de recevoir ta récompense. Clique sur récompense dans ta fenêtre de quête. Clique ensuite sur OK pour obtenir ta récompense. Oula, ah, oh, c'est trop moche par contre, les menus là, les... Ouh. Arrête, hein. Quest clear. Confirmé. De nombreux défis t'attendent, il serait risqué de les relever seul. Que dirais-tu d'un compagnon qui te soutiendrait dans ton combat? Bah, elle est là déjà. Je suis sur Discord avec. Ton compagnon pourrait être un familier ou un partenaire, par exemple. Un familier entraîné et heureux, comme Nelly, te soutiendra comme un Osmate fidèle. Allez, capture un Osmate pour toi. Alors, vérifier si la cible est disponible pour la capture. Marque de capture. Continue à attaquer jusqu'à l'indicateur de HP devienne jaune. Capturer le monstre avec la compétence capture. Ok. Ah, oh, c'est drôle, ça cooldown. Ils ont appelé ça temps de refroidissement. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Je peux te taper, toi? Non. Dommage. Vas-y, moi, je vais attraper mon truc. Moi aussi, je crois. Je tape une poule. J'ai réussi. C'est quoi la touche? C'est 9. Ah, mais attends, j'ai mon... Tu peux le déplacer normalement, tu peux choisir les autres places, si tu veux. Non, mais j'ai mon macropad, moi, qui fonctionne pour ça. Ah ouais. Félicitations, tu as attrapé une poule, occupe-toi de ton nouveau familier et ne le sous-estime pas. Je vais t'apprendre un peu plus sur les Nosmates pour que tu comprennes bien leur importance. Ok. Oula. Par contre, la musique... J'aime trop la musique. Ouais, mais elle est un peu répétitive, non? Que de souvenirs. Section de l'animal, pouce, touche F1, F3 pour contrôle individuel, contrôle clic pour sélectionner les animaux, contrôle évolué de l'animal, les animaux peuvent attaquer automatiquement, Nosmate arrête immédiatement son activité en cours. Ok. Confirmé, j'ai gagné 500 pièces d'or, je suis trop bon. Et du coup, attends, d'ailleurs, tout à l'heure, attends, on avait gagné... Ouais, on a gagné un t-shirt. Ouais, mets-le. J'ai l'inventaire ouvert. Oh putain. Comment on équipe? Parce que... Je sais plus. C'est quoi la touche? Parce que inventaire, j'ai... Ouais, mais j'avoue, je sais plus. Clique sur P et au pire, tu le mets dans ton... Ah, ok, non, j'avais... Non, on est niveau 3. Il est niveau 3, c'est normal, on est que niveau 2. Ah non, on est niveau 3. Parle pour toi, ouais. Ouais, voilà. Mais attends, mais je l'ai mis ou pas? Oui, c'est bon, je l'ai mis, moi. Oui, c'est bon, parce en que... Fait, en fait, ok, c'est juste que... En fait, quand je cliquais... J'ai... En fait, je double-clique, quoi, mais juste que comme c'est le même costume... Ouais, en fait, j'ai confondu inventaire et équipement, genre. J'avais mal vu. Ouais, le mec qui show off à côté, là. Je te jure, on dirait moi qu'il vient Carnam dans Dofus. Alors, on suit la flèche. Allez. Putain, ça a un peu changé. Il y a tellement de skins et tout que je connais pas. Enfin, genre de spé et tout. Attends, mais c'est inversé, le zoom. Bah, si. C'est
Quand je fais la molette vers le haut, ça dézoome. Ouais. Bah, c'est l'inverse, normalement. Non, mais ça m'étonne pas. T'es bizarre, toi. Oh non, ça dézoome. Par là-bas. Quoi? Non, rien, je pensais qu'il fallait. Quête terminée. Ton osmate t'assistera principalement au cours de tes missions et essaie d'accomplir la prochaine mission à l'aide de ton osmate. Les créatures des environs du village ne sont pas très puissantes, elles constituent donc une cible parfaite pour ton entraînement et celui de ton familier. Oh, j'avais oublié! Oh, j'avais presque oublié! Enfile cette tenue d'entraînement avant de te mettre en route, c'est pour ta propre sécurité. Quelle tenue? Celle qu'on a déjà gagnée? Ou une autre? Celle qu'on a déjà mise. Ok. Et lui, une cible. Attends, mais allume ma poule là. J'avoue, allume la. Oh non, ma poule elle est bloquée là-bas. Et oui, parce qu'elle est pas très intelligente. C'est bon, si tu vas sur la route, normalement elle va venir toute seule. Ouais, voilà. Ouais. On attaque des petits seedles. Le niveau de métier a augmenté. Je sais même pas quel métier il parle. Ou je l'ai démonté. Allez. On tue combien? 3. Ah oui, c'est en haut, je l'avais pas vu. Ah, mais c'est 3 pour le groupe en plus. Ouais. As-tu déjà vu ton osmate en pleine action? C'est bien plus sûr de partir à l'aventure avec ton familier. Oh, tu n'as qu'un vulgaire bâton de bois pour arme. Ne t'en fais pas, j'ai une nouvelle arme pour toi. N'oublie pas de récupérer ta récompense. Clique sur le bouton récompense. Oui, ok. Récompense. Récompense. Confirmé. J'ai un gourdin. Attends, il y a des trucs par terre. Pour poursuivre ton aventure, il faut une meilleure technique de combat. Tu savais que nous avions un Oscamp, un instructeur en charge de former tous les jeunes aventuriers fougueux comme toi? T'es fougueux, toi? Avec lui, tu pourras apprendre de nouvelles compétences et améliorer celles que tu as déjà acquises. Il s'agit de Calvin Coach. Tu dois absolument faire sa connaissance. Va le voir, il pourra t'apprendre des tas de choses et il t'aidera à entraîner tes compétences. Je veux la feuille de Seedle qui est par terre. Allez, petit poule. Attends-moi! Je t'attends. Mais attends, mais connard. Allez. Avance. Appuie sur N pour parler? Non, comment on fait pour. Pourquoi il y a un N à côté de son nom? Non, c'est. Je sais plus. Je sais pas. Ouais, je suis heureux de faire ta connaissance. Mimi Mentor m'a déjà beaucoup parlé de toi. Je m'appelle Calvin Coach, je t'apprendrai toutes les compétences dont tu as besoin pour tes aventures. Viens me voir aussi souvent que possible pour améliorer tes compétences. N'oublie pas qu'un grand aventurier a besoin de multiples compétences pour remplir ses missions et combattre les monstres. Et combien coûte l'entraînement? Ah, parce que c'est payant en plus? Le prix dépend toujours de la compétence et de la formation souhaitée. Puisque c'est ta première formation, je vais t'entrer gratuitement pour cette fois. Le mieux, c'est que je t'explique déjà comment se passe la formation. Ok. Ça, je lis pas haute voix, hein, tu te démerdes. Non, t'inquiète. Chaque habilité a deux classes, débutant et expert, pas d'entre deux genres. Attends, la classe débutant n'est pas obligatoire pour la classe expert? Je pense que c'est ça le délire du niveau 80, là, quand tu crées un personnage. Ah, peut-être. Là, je dois choisir celle que je veux, ou c'est quoi? J'imagine... Que dalle. Non, j'avoue, je comprends. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, mais on a passé dessous, je crois. Attends, mais comment. Converser avec Calvin. L'entraînement s'est très bien passé. Je me sens déjà beaucoup plus fort qu'avant. J'ai rien fait. Là, moi non plus. L'avantage d'une telle formation, c'est qu'elle reste gravée dans ta mémoire. Je peux te le garantir. Merci, Calvin. J'aimerais bien encore apprendre quelques compétences d'attaque. Tu devrais commencer par t'échauffer avant l'entraînement. Pourquoi n'irais-tu pas chasser un peu? Dès que tu seras un peu entraîné, je t'enseignerai des compétences d'attaque. Ok. Ah, je crois qu'ils enseignaient des passifs, genre, attends. On peut voir nos trucs. Oui, mais je sais plus comment c'était. Je crois que c'est dans K. Appuie sur K. Ah oui, liste des compétences. Attaque renforcée, cours de vitesse. Ah putain, mais ça je vais le placer en bas dans ma. Je peux pas le placer dans j'arrive pas à déplacer les trucs. Moi j'essaie de placer coup armé dans ma liste, mais j'arrive pas.
Ah si. Moi aussi. Ah si, ça y est, j'ai aussi. Si. Mais du coup, j'ai enlevé les biscuits de Malice sans faire exprès. Ah, ça, tu peux aller dans ton inventaire et tu peux les remettre normalement. Là. Comment on les met? Mais en fait, j'ai que deux cases. T'as que deux cases? Oui, dans ma liste en bas, là, j'ai que deux cases. Pas toi? Non, mais appuie sur la petite... le petit truc Al-Kana, verrouillé, là. Ah, oui, ok. Ah, smart as fuck. Ça fait longtemps, ce truc-là. Je me rappelle plus, il est le... Alt-Q. Ah, bah, ça fait Alt-W que je vais faire coucou. Salut. Salut. Trop bien ce jeu. Allez, let's gong. Chasse le dandé. Chasser le dandé. Chasse le dandé. Où sont les dandés? Ils sont là, les dandés. Moi, je suis un gars de distance, moi. Moi, je tape au loin. Oh putain, on peut tourner! On peut tourner? Comme ça tourne. Ah, je croyais qu'il y avait. Je vais pas te mentir, je croyais qu'il y avait qu'un point de vue fixe dans le jeu. Bah oui, bah ils te l'ont montré ça tout à l'heure. Ouais, j'ai pas vraiment fait attention. Aïe aïe aïe. Putain, alors je regarde que dans la même direction, Nelly. Ramettre les graines de pouvoir, c'est important. Oui, mais attends, laisse-moi finir mon combat. Bon, je suis plein. De toute façon, tu peux les ramasser pour moi s'il faut. Bon. Oui, je peux les ramasser, mais c'est pour moi. Hein. Si je les ramasse, je les garde. Waouh. En vrai, on les a tous. Enfin, on a fini la quête là en soi, mais. C'est trop rigolo. Ouais. Et là, on bouillit des animaux. Je trouve que ça m'a fait bizarre là de changer le. La langue de caméra. J'ai l'impression de pas jouer au même jeu. T'es sérieux? Allez, on va parler avec Alan Koch. J'ai déjà joué moi à ce jeu là dans ma vie, tu sais, je t'avais dit. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai jamais changé mon point de vue avant. Aïe, aïe, aïe. Genre, ça veut dire quand j'y jouais quand j'étais en primaire là. J'ai gardé tout le temps le même point de vue. T'es sérieux? Oui! Putain. Pas mal du tout! Ton talent m'impressionne, comme promis, je vais t'enseigner quelques composantes d'attaque. Pour un jeune aventurier comme toi, la formation de base est gratuite. Par la suite, il faudra payer pour apprendre d'autres compétences. Je ne prends pas ta formation à la légère et apprends autant que possible. La formation est vraiment très importante pour un aventurier comme toi, tel que toi. Compétences de base. Ok. Putain, ça swing. Oh, j'ai un coup fort. Attends, je vais dégager les gâteaux ici. Je vais mettre coup fort là, en deuxième attaque. Attends, c'est payant à utiliser? De quoi? Coup fort. J'ai pas marqué 320 or. Non, je crois que c'est le prix d'achat. Pour ça. C'est le prix d'achat, juste c'est pas le prix que tu dois payer quand tu l'utilises. Mais je sais pas quoi armer, marqué 6 or aussi. Oui, mais c'est juste qu'elle a coûté ça quoi, mais c'est tout. Hein. C'est sûr. Je pense. Moi ça me fait peur ton truc. Hein. Mais non, mais tu payes pas quand même. J'ai regarde, essaye de l'utiliser une fois et vois quoi. Vous connaissez pas la Mimi Mentor? Attends, je vais donner un coup de marteau. Vas-y. Sur un. Alors, tu les... Dander. Sur un Seedle. Seedle, viens là. Je vais faire sur un Dander. Viens là. Mais voilà, ça te fait pas payer, hein. Ah, j'espère bien. Mais oui, quand même. Tu veux Pex? Non. D'accord. Je fais les quêtes, moi. Oh, y a une map. En haut, oui. Non, mais quand t'appuies sur M. Ah, comme sur M, ouais, ouais, ouais. Attends, il faut que j'envoie mon frère que je joue à Nostel. Oh putain. Waouh, tu m'as l'air en pleine forme. Ta formation fortive porte ses fruits. Tu vas enfin pouvoir partir à l'aventure. Oui. Commence par aller voir Malcolm Mix. Ils sont sérieux? Ouais. Ils sont sérieux? Et même ça, Dofus, ils auraient pas tenté. L'alchimiste du village. Tu te retrouveras dans son laboratoire d'alchimie. Je te jure, sur Dofus, l'alchimiste s'appelle Nepralido. À l'envers, ça fait Doliprane, c'est tout. Hein. Ouais, ouais, ouais.
Écoute, on ne sait. Je sais Malcolm Mix. Malcolm Mix, JPP. Aïe, 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 aïe. Non, c'est long à se déplacer. En fait, la minimap, elle est trop petite, je trouve, par contre. Je peux l'agrandir, je crois, normalement. Ah. Je suis pas sûr, mais je crois. Attends. Ah, mais arrête d'avancer, connard. T'es sûr qu'on peut ? T'es dans les paramètres ? Attends. Non, je sais pas. Alors, j'arrive sur le machin. Oh ! Qu'est-ce que t'as ? Ça, t'as vu, t'as eu une petite alerte, genre... Oui. Genre le brise-glace et je sais pas quoi, là. J'ai pas lu le truc, mais... Oui, j'ai eu la notification. Pourquoi ? Attends, j'ai envie d'y aller. Je sais pas si on peut. Ah, il y a ma mère qui dit coucou dans le chat, si jamais. Bonjour. Coucou. Bon, salut Malcolm, c'est Mimi qui m'envoie. Malcolm ? Oui ? Malcolm ! Ah, tu m'as fait peur, que veux-tu ? Mimi m'a beaucoup parlé de toi, je suis là pour m'équiper dans mes aventures. Ah oui ? Qu'est-ce que tu as ? Ah, je crois que je comprends maintenant. L'alchimie, c'est la clé. Je te parle, là. Donc, où en étions-nous ? Ah oui, mon rôle est d'approvisionner les aventuriers de nos camps en équipement magique. Peux-tu m'expliquer ce qu'est l'alchimie ? Peut-être. Soudain, Malcolm, les yeux sur toi, très intéressé. Ouah, une écoute vraiment incroyable. Je vais t'expliquer en quoi consiste l'alchimie. Alors, écoute-moi bien. Toute existence contient un pouvoir magique. L'alchimie, c'est l'art d'extraire ce pouvoir magique pour l'utiliser à nos propres fins. L'alchimie permet de produire beaucoup de choses utiles. Nous pouvons par exemple renforcer des objets en les dotant d'attributs magiques. Nous avons même la possibilité de fabriquer des matières de base magique. Tu as bien compris ? Tu as bien compris, Nelly ? Oui. Ça va. Oui, je crois bien, merci de ton aide. Malcolm te regarde d'un air pensif. J'ai bien compris, ne t'inquiète pas. Confirmé. Ça va, Nelly ? Oui. Qu'est-ce que t'as ? C'est juste que... Putain, je suis deg parce que je voulais faire les batailles de brise-glace. Mais j'ai pas eu le temps, je parlais avec Malcolm Mix. Mais c'est quoi ? De quoi tu me parles ? Mais en fait, c'est... Je sais pas, des fois t'as des petits événements comme ça où... Enfin, je crois que c'est toutes les 2 heures ou un truc du genre. Et tu peux t'inscrire et en fait t'arrives dans une sorte de petite arène de PVP. D'accord, et tu pensais faire du PVP là, ton niveau 2 ? 4, 5 ? Non mais c'est par niveau, c'est par niveau. Ah. Genre des niveaux 5 à 10, ils vont être ensemble par exemple. Ok. Ma mère l'a dit coucou Nelly. Coucou. Pour reparler avec Malcolm Mix apparemment. Ouais, moi je l'ai reparlé déjà. Ah. Mais t'inquiète. J'ai rien dit. Ah. Ah Malcolm, tu saurais me dire où je peux acheter des armures et des armes ? Plus loin à l'armurerie des frères Top. Tu peux acheter des armures et des armes, tout simplement. Suis tout simplement le chemin, tu tomberas forcément sur eux. Merci. Attends un instant, j'avais presque oublié. De quoi s'agit-il ? Malcolm te regarde pensif. Je te parle là. Oh, il est chiant, Malcolm, je le déteste. Les frères Top sont jumeaux. Pour te procurer de l'équipement, tu dois parler à Théoman Top. Il y a un jeu de mots ou pas ? Théoman Top ? Théoman Top, j'ai pas. C'est le frère qui tient un marteau. Il s'occupe des armures et des armes. Et que fait son frère ? De quoi s'occupe-t-il ? Ça m'avance pas à grand chose, il dirait si, je vais laisser Malcolm ruminer en paix. Je n'aime pas Malcolm, il a l'air très chiant. T'es déjà là-bas, toi ? Oui. Putain, mais la meuf qui triche. Mais non, mais c'est juste que j'espérais arriver dans l'Icebreaker. Oh ! Bah non, ma mère, elle me dit le jeu de mots, c'est Théo Top Man. Mais non, bah, c'est Théo Man Top. C'est pas un... Vu que l'autre s'appelle Théodore Top, y a pas de jeu de mots sur ça, je pense. Vu que le gars, il s'appelait Malcolm Mix, donc je sais pas. Il y a sûrement, mais j'avoue, j'ai pas les rêves. Oh putain, le gars musculeux avec un gros marteau, là. Qu'est-ce que tu veux ? C'est Malcolm qui t'envoie ? Oui. Alors, tu es probablement le vrai aventurier que Mimi Mentor a formé. Pas vrai que j'ai raison ? Oui, c'est bien moi. Mimi m'avait déjà prévu que tu passerais, je suis censé te donner ça. Un cadeau ? Et tu ne veux vraiment rien en échange ? Bon, prends-le avant que je change d'avis. D'accord, merci beaucoup. Ce Théoman n'a pas l'air très amical ni très loquace. J'ai envie de dire qu'il avait l'air con, genre. Tu peux. C'est quoi un ruban ? Ça sert à quoi ? Ah, mais ça se voit pas sur nous ce qu'on porte ? Non.
C'est de la merde ce jeu. Eh. Eh, mais quoi? Pardon Théoman, mais j'ai encore une question. C'est quoi encore? Tu peux me dire où est-ce que je peux acheter de la nourriture? Le mieux c'est que tu ailles voir Eva Energy au magasin de Noseville. Tu y trouveras toutes sortes de mets délicieux. D'accord? Merci beaucoup. Let's go, on va à Noseville du coup. Faut que tu me réponds, ce serait très cool. Bah oui, mais on est à Noseville déjà. Mais c'est pas Noscamp ça? C'est quoi Noscamp? Non, tout ça c'est Noseville en vrai. C'est quoi Noscamp? Regarde sur la map. Parce que j'avoue, je sais plus non plus quoi la différence. Noscamp n'existe pas sur la map, je vais pas te mentir. Ouais, bah écoute, hein. Je sais pas. Ma foi. Allez. Bienvenue au marché de Noseville, Raquette. Tu y trouveras des produits riches en goût et toujours frais, la qualité garantie. Comme tu viens d'arriver, je te propose une offre exclusive. Ton premier achat au marché de Noseville est aux frais de la maison. Pas mal, non? Prends-en de service des marchandises et choisis ce qu'il te plaît. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Eva Energy. C'est moi la gérante du marché. Je m'assure que les aventuriers aient toujours quelque chose de frais et de délicieux à se mettre sous la dent. Ok. Elle m'a donné des têtes de poule, là? Je crois, oui. Tu me fais jouer à quoi, toi? C'est du poulet rôti. Oui, la gueule du poulet rôti, ouais. Ça, c'est un truc que ta soeur pourrait manger. Non, pas ce point. Non, Lina, les têtes d'animaux, elle pourrait pas, c'est dégueulasse. Parce que les poissons, c'est pas des animaux? Elle est en dessous, Mimi, non? Ah non, j'ai rien. Non, elle est au-dessus. Elle est pas loin de... Ah oui, non, j'ai confondu Shug avec... avec Calvin. Shug? Je sais pas, il y a un gars qui s'appelait Shug. Ça fait pas Slug? Attends, je vais te dire ça. Slug? Ah ouais, c'est Slug. My bad. Le L-U, il m'apparaît comme un H-U. Par contre, on la voit de... Ah putain, mais j'allais dire, on la voit de dos, Mimi, mais c'est vrai que je peux me tourner. J'avais zappé que je pouvais tourner la caméra encore. Bah oui. Ah, tu es de retour. Tu t'es bien équipé. Es-tu maintenant prêt pour tes aventures? Oui, je suis prêt. Et pour ce qui est de l'équipement, je n'ai même pas eu à verser le moindre sou. Ça ne me surprend pas. Les habitants de Noscamp veulent faciliter tes premiers pas en tant qu'aventurier. Tu es donc maintenant prêt à affronter la première véritable aventure. C'est parti. C'est parti. Pardon. Ah, bordel. Excellent, alors maintenant écoute-moi bien. Des mystérieux portails sont apparus depuis quelque temps à Noseville. Ces portails obscurs sont liés à des espaces-temps. Des créatures démoniaques s'en sont échappées et ont envahi la plaine environnante. Elles menacent la paix qui règne sur Noseville. Ta première mission consistera à protéger notre village des créatures sortant de l'espace-temps. Nous comptons sur toi. Et vite, il n'y a pas un instant à perdre. Je sais que cette mission n'est pas sans risque, pourtant tu m'as l'air de quelqu'un qui sait affronter tous les dangers sans cligner des yeux. Les portails dont je t'ai parlé s'appellent des pierres d'espace-temps. Ces pierres relient mystérieusement notre monde aux enfers. Ok. Personne ne sait d'où elles viennent et pourquoi elles sont apparues si soudainement. Tout ce que nous savons, c'est que ces pierres nous permettent d'entrer dans les espaces-temps. Pour explorer les espaces-temps, tu dois donc trouver une pierre correspondante, puis pénétrer dans le cercle lumineux qui les entoure. Tu trouveras la première pierre d'espace-temps dans le nord du village, là-bas tu recevras encore une inscription de ma part. Ouais, là, c'est bizarre. Ah putain, mais les espaces-temps, c'est les donjons moches, là? Oui. Attends, mais... What the fuck? En fait, là, je suis en train de voir que... Sur Nostal, là, j'ai une aide qui est affichée. Ouais. Et que sur le stream, elle est pas affichée. Mais c'est quoi l'aide? C'est le... Interface de la pierre espace-temps, ça m'explique comment ça fonctionne. Et sur le stream, elle y est pas. Je peux... On voit juste le contour de la fenêtre, mais pas la fenêtre. Mais attends, parce que quand je fais capture de jeu, j'avais deux trucs nostal. Si je fais ça, non, ça fonctionne pas non plus. What the fuck? Nelly, c'est quoi ton jeu, là? Je sais pas, laisse-moi tranquille. Non, je vais faire une capture d'écran, ce sera plus simple. Ok. Ah! Ça capture pas le bon écran. Ok. Et boop. Ma mère a dit j'aime bien votre jeu. Bah, ah tu vois. Nelly aussi elle aime bien. Moi c'est pas voilà. Je trouve que ce jeu existe. Je sais pas si c'est quelque chose. C'est où le nord? Y a pas une boussole quelque part en vrai?
sais pas. Ce serait pratique d'avoir une boussole pour, ça, pour s'orienter vers le nord ou quoi. Ma mère, elle me dit que je suis chiant. C'est super. Non, mais j'aime les autres, j'aime d'autres jeux. Hein. Juste que celui-là, j'y avais déjà joué quand j'étais début collège. Enfin, fin primaire, début collège. Et j'avais pas trop accroché. Start, j'ai fait sur start. Ouais, moi aussi. Ça va. On va se retrouver dans la même pièce, je crois. Ah bon ? T'as pas l'air d'être là. Ouais, t'as pas l'air non plus. Bienvenue dans le lobby. C'est ici que tu peux te préparer avant de commencer ta mission. Il ne t'arrivera rien tant que tu restes ici. Si tu veux partir à l'aventure avec tes amis ou des membres de ta famille, tu peux les retrouver. Ta famille, c'est quoi ? C'est les guides de la famille ? Ouais. Ok, tu peux les retrouver dans le lobby avant de te lancer. Quand tu auras terminé ta préparation, rends-toi devant la porte de l'autre côté de la pièce. Ok. Mais du coup, t'es pas là ? Ah, mais c'est bizarre. Ouais, non, toi non plus. On peut pas se rejoindre là-dedans ? Bah, normalement, si, mais je crois que... Je crois que c'est parce qu'on a lancé tous les deux start en même temps sans faire exprès ou quoi, et que du coup... Parce normalement, quand tu rentres dans une... Ouais, normalement, on peut sortir. C'est ça ? C'est le truc en haut pour sortir ? Non, annulé. Oh, ça... Non. Comment on quitte ? En fait, c'est, tu vois, ma mère, sur la map... Ma mère, elle s'en va. Au revoir. Bisous. Bisous. Tu me disais ? Sous la map, tu vois, il y a info sur l'espace-temps et il y a une petite flèche. Tu peux cliquer dessus pour si tu veux quitter. Mais si tu veux... Ah non, attends. Ça va nous faire perdre une graine de pouvoir. Ah bah alors annule. Bah on va le faire tout seul. Tant pis, on fait tout seul, chacun de son côté, vas-y. Ouais. On verra bien comment ça se passe. Vas-y, let's go. Confirmé. Les créatures qui hantent les espaces-temps sont beaucoup plus agressives que les autres monstres que tu as pu rencontrer au cours de cette aventure. Elles t'attaqueront dès qu'elles t'apercevront. Sois très prudent. Attends, je prends mon truc. Si tu ne fais pas le poids face au monstre ou une pièce, tu peux prendre la poudre d'escampette en empruntant le portail à la prochaine pièce. Ah, on peut esquiver les pièces, ce genre ? Ouais, ça dépend lesquelles. Okay. Il y en a des fois, elles sont bloquées, il y a un cadenas et là, tu peux pas... voilà, bah, c'est ce attaque-le ! Ok. Il est mort ? Ah oui. Il y avait que deux mobs donc. Ah mais un timer ? Oui. Mais je te préviens, il se peut aussi que tous les portails soient fermés quand tu entres dans une pièce. Ok. Dans ce cas, tu as émis toutes les créatures de la pièce pour pouvoir ouvrir le portail. Ok. Bien joué, le portail s'est rouvert. Entre vie dans la pièce suivante. Ok, on fait ça. Dans certaines pièces, tu trouveras les leviers actionnés pour ouvrir les portails scellés. La musique, elle est mieux ici que sur l'Overworld, hein, par contre. Oui, bon, hein. J'ai appris une nouvelle compétence OMG. Ah bon ? Bah, apparemment. Ah, c'est-à-dire que moi aussi. Mais tu... Ah putain, je cliquais sur ma poule, de la poule méchante. J'essaie de tabasser ma poule. Oups, pardon, j'ai oublié un tout petit détail, certains leviers peuvent aussi déclencher des pièges et faire apparaître des dangereux monstres dans la pièce. Si tu actionnes un levier piégé, les créatures belliqueuses t'assailleront automatiquement, alors sois prudent. C'est K les compétences ? Ah oui, tir de projectile. Ouais, j'avais pas vu, heureusement que tu me l'as dit. Je m'imagine que c'est plus puissant oui. Que le tir normal. Certaines pièces sont soumises à une limite de temps, si tu n'arrives pas à éliminer toutes les créatures dans un temps imparti, la mission échoue. Tu ne devrais pas avoir trop de mal, mais avec les adversaires de cette pièce, après tout, ce n'est que le tutoriel. Ah, c'est un peu méta, ça, de me dire ça, non ? T'as dit quoi ? Me dire que c'est le tutoriel, c'est un peu méta. Ouais, un peu, mais ça va. Ah, j'ai raté le mob en cliquant. Oh, j'ai level up, les gong. Je suis vraiment trop fort comme mec. Oui. Allez, dans ma sac. Oh non, l'un des gardes de notre ville est en danger. Tu vois l'aura lumineuse qui entoure les gardes, les alliés enveloppés par cette aura ne doivent dans aucun cas être vaincus au risque de voir la mission échouer. Alors il faut que tu protèges les gardes à tout prix. Je vais le protéger au prix de ma vie, sa mère. Non, c'était ça que je voulais faire. Ils sont dead. Les espaces-temps sont très instables, tu ne peux donc pas trop t'y attarder, ne perds pas de temps et accomplis ta mission aussi vite que possible. Si, attends, j'ai bien lu le truc, oui.
Si le temps s'écoule avant que tu aies pu finir ta mission, tu échoues. Il te faudra alors recommencer depuis le tout début. Tu vois l'horloge et les pierres en bas de l'écran? Oui. Elle t'indique combien de temps il te reste avant la fin de la mission. Les pierres t'indiquent les minutes et l'horloge les secondes restantes. Ah, ok, je croyais qu'il me restait que 45 secondes. Non, il me reste 3 minutes et 45 secondes, ok. Oh non, pendant que je t'expliquais tout ça, les nouveaux monstres sont apparus. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Faut les éliminer, ok. Cool. Oh. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les espaces-temps. Pour débuter, au cours de ta aventure, tu pourras explorer beaucoup d'autres espaces-temps. Certains sont si mystérieux et si dangereux qu'ils dépassent ton imagination. Mais t'inquiète pas, je parie qu'un aventurier courageux comme toi saura faire face à les défis, à tous les défis qui se dresseront sur son chemin. Bon, maintenant, quittons rapidement cet endroit lugubre. Allez, vite. Ok. Je sors. T'es sorti toi déjà, j'imagine? Oui. Je suis en train de ramasser des sous. Monstre tué. Ok. Ah, il y a trois. Le choix entre 5 boîtes. Comment on fait? Ah, comme ça. T'as dit quoi? Ah oui, non. Tu choisis une de ces. Oh, j'ai gagné un costume tenue d'entraînement, mais je l'ai déjà, je crois. Oh, on l'avait déjà. Oh, c'est quoi? Il faut aller par l'alimentor. Boulon d'énergie. Let's gong. Elle est où, truc? Qui est Mini-Mentor? Non, ma quête, c'est toujours espace 1, machin, là. Il faut que tu récupères ta récompense. Comment? Ah, faut cliquer. Appuie sur... Je crois que c'était L. Non, pas L. J. Non, pas J. Je sais plus. Ah, c'était U. U? U comme oui. Quête. récupérer la récompense, oui. C'est quoi? Ah, j'ai juste monté de niveau comme ça, c'est ça? Ouais, t'as pas... Je sais pas si t'es monté de niveau, je pense que t'as juste... Bah, je sais pas, moi je suis niveau 7. Pourquoi t'es niveau 7 toi, moi je suis niveau 6? Parce que je me bats contre des trucs en attendant. La meuf m'attend pas. Mais si, mais c'est juste parce que, je sais pas si t'as vu, mais en haut là en dessous de notre personnage, on a un truc comme quoi les points d'XP ils sont doublés. Non, où tu vois ça? En dessous de ta tête en haut là. Un truc technique de combat de tarte à pendame. Ah oui. Du coup, vas-y, bah le temps que toi tu finisses, bah je. Ok, moi je vais parler avec machin. Vas-y, j'arrive, je parle aussi avec Mimi. Alors, tu as combattu avec courage dans l'espace-temps. Tes yeux brillent d'ailleurs d'une lueur qui ne trompe pas. Pas de doute, tu es un véritable aventurier. Pour y commencer ton succès dans l'espace-temps, je te remets cette tenue d'aventurier. Elle possède un niveau de rareté spécial. Un niveau de rareté, tu peux expliquer ce que ça veut dire exactement ? Bien sûr, certains objets d'équipement disposent d'un niveau de rareté. Plus ce niveau est élevé, plus l'objet est rare et précieux. Lorsque tu cliques droit sur un objet, une fenêtre d'information s'ouvre. C'est là que le niveau de rareté est indiqué. Ok. Alors, le 1. Low level short sword. Ok. J'ai pas de quête là. Ah si. Encore parler avec elle. D'accord. Mais attends, mais j'ai pas gagné un truc là ? Ah, mais tenue aventurier, j'ai pas le niveau apparemment. Il est niveau combien? Je sais pas. 8. Okay. Toi non plus, t'as pas le niveau. Ouais. Bah attends, faut parler avec elle encore. Merde, j'ai parlé avec le garde. Ah merde, non, merde, ok. Deux de vous déranger comme ça, mais j'ai besoin d'aide de toute urgence. Du calme, Sam, qu'est-ce qui arrive? Qui t'arrive? J'ai pour mission de patrouiller dans la plaine de Noseville, mais ma pauvre mère est tombée malade. Je ne vois pas comment remplir mon devoir de soldat et mon devoir de fils à la fois. Maintenant, j'espère juste trouver quelqu'un du village qui voudra bien patrouiller à ma place. Pour voir qui pourrait bien te remplacer. Ok. Et pourquoi pas moi, je pourrais me charger de cette mission. Je ne sais pas trop, Raquette, ça pourrait être très dangereux. Je peux le faire, fais-moi confiance. Vraiment, tu crois que tu peux déjà te charger d'une telle mission? Tu ferais mieux de ne pas te surestimer. Le monde extérieur peut être vraiment rude pour les aventuriers. Inexpérimenté. Je dois juste aller patrouiller dans la plaine de Noseville, au nord du village, non? Vous inquiétez pas, je relèverai le défi haut la main. Bah attends surtout pas, toi, avant de partir, Pex, là. T'inquiète. J'ai pas la bonne quête affichée, je crois que ça me parle toujours de espace-temps. Oui, mais parce qu'il faut qu'on aille dans la plaine de Noseville. Ah, ok. Allons dans la plaine de Noseville.
T'as récupéré ton nouveau sort aussi? Mon nouveau quoi? Sort. Boulon d'énergie. Ah non, je l'ai pas vu. Ce qui fait ça. Attends, oh là, il est où? Hop les mon pote. On est à la pleine de nos îles là ou pas? Ouais. Et on doit faire quoi? Bah là ça nous dit d'aller dans l'espace-temps. Ah ok, je crois. Il y a un autre espace-temps ici, en fait. D'accord. Ouais voilà. Je croyais que ça avait juste bugué et que ça nous a fiché le même espace-temps que tout à l'heure. Ah mais ça c'est ma poule à moi. Mais connard, il y a une Seedle là, tape la Seedle. Oh je fais un coup critique. La poule elle a monté de niveau. Moi je suis monté de niveau moi. Oh c'est quoi ça? De quoi, une salade? Ah mes souhaits, pardon. Ah tes souhaits. La salade tu parles quand tu sais c'est quoi ça? Ouais. Je connais pas. Je vais parler à la salade. Oh ah, je danse. Tu as la piquée. Je swing. Ouais. Laitue géante x 1, tu peux obtenir la laitue géante. Trop bien. Putain, ils ont ajouté des trucs. Ils ont ajouté la laitue. Et viens, on va dans l'espace-temps. Attends, je récupère ouais, ma... je vais ramasser la laitue. Mais attends, oh, t'as pas ramassé ta carte de pouvoir ici, là. Ramasse-la vite. Attends que je monte niveau 8, moi aussi, comme ça, j'ai mon stuff. J'ai pas mis mon stuff encore. Ah, mais... Et après, elle va me dire, non, le jeu, il est trop bien, alors qu'elle sait même pas y jouer, quoi. Mais tranquille. Bah, tape un mouton. Vas-y, tape le mouton. Ah, mais les moutons, ça donne plus d'XP, peut-être, non? Sûrement, oui, vu qu'ils sont plus aimés. Ah, oh, tu m'as tué mon truc avant que je puisse le capturer. Ah, tu veux le capturer, my bad. Bah, je pense. Mais après, je sais pas si je peux vraiment, parce que je sais pas combien de niveaux il faut entre nous pour qu'on puisse le capturer. Je sais pas. C'est moi qui vais dire. Oh, merci pour le follow, Vipex Roi. Dis merci, Nelly. Merci. Ah, j'ai capturé un mouton. Vas-y, je capture un mouton, moi aussi. Oh, jeune, c'est ça, sa vie? Ouais, jaune ou rouge, c'est plus facile quand c'est rouge. Ah, tel Pokémon. Oh, le mouton. Mais pourquoi ma poule, elle veut plus attaquer? Arrête d'attaquer, capture. Mais je l'ai déjà capturé, moi. Non, pas toi, moi. Capture. Je peux pas capturer, j'arrive pas. Il a tabassé à mort. Comment tu captures, Nelly? Avec le 9. Ouais, mais ça a pas marché. Il avait marqué la capture est échouée. Je sais pas, non, il a juste pas essayé de le capturer, il a tabassé à mort. Mais pourquoi ma poule elle veut plus me suivre? Parce que faire le choix entre la poule et le mouton, je pense, je sais pas. Bah non, mais j'ai que. Non, mais parce qu'en fait, quand tu captures un truc et que t'as déjà d'autres animaux, bah en fait, t'as ton autre animal, du coup, il l'a envoyé dans. C'est parce que le mouton il a le même niveau que moi, du coup, je peux pas le capturer. Ah oui, faut que tu. Faut qu'il soit inférieur au mien. Ouais. Mais ma poule elle est. Je sais pas ce qu'elle veut là, allez! Allez! Faut juste que je monte niveau 8, s'il vous plaît. Et sa mère, c'est comment on monte d'XP là? C'est quoi ça? Regarde tes barres d'XP. Oui, je sais, je suis à 82%. Bon, bah voilà. Si tu veux, j'attaque avec toi. Je suis à côté. Mais punaise, mais. J'ai fait un crit. Boum! Ma poule, elle veut plus m'aider. Mais Nelly, je gagne 5% par mob, c'est quoi ça? Bah quoi? C'est... Ah non, 93. Attends, quoi, c'est quoi ils font ce niveau métier et niveau tout court? Niveau métier, c'est... Quand t'arrives niveau 20, tu auras le droit de choisir une en gros, hein, une spécialité, genre... archer, j'oublie les autres trucs. Archer, mage ou... épéiste? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Épéiste, c'est ça, je crois. C'est bon, je suis niveau 8. Attends, je capture le moutou. Vas-y. Ah merde, j'ai attaqué le Seedle. Bah, je pensais que ça allait aller sur le mouton en fait. Mais ma poule là, elle m'énerve hein. Pourquoi elle veut plus me suivre? Capture. Non, stop, arrête de tabasser. Oh, j'ai capturé le mouton. Comment tu changes de mob, de familier? Bah, il faut aller au mini pays. Mais je sais plus comment on va au mini pays. Genre, je sais plus si on peut. Il faut aller dans son mini pays. D'accord. Ah, mais Nelly, pour ta poule, appuie sur F1. Bah, elle veut pas. Appuie sur. Attaque un mob maintenant. Bah, non, mais je sais pas ce qu'elle a.
Ma poule, j'ai l'impression qu'elle est jalouse. Bah, elle fait pas. Pourquoi je joue ma poule là? What the fuck? T'as appuyé sur F2? Non, j'ai cliqué sur, bah, sur ma poule. Dans le. Tu sais, dans l'arborescence des personnages. Ouais? Bah, j'ai cliqué sur ma poule, du coup, je jouais ma Mais poule. Mais ma poule, elle veut plus venir! Elle me saoule! Attends, je vais essayer un truc. Je vais essayer de retourner à nos camps et revenir à nos villes là. Mais t'appuies sur F1? Oui, mais F1 ça me fait. Elle veut pas venir quand même, elle fait rien. C'est où qu'on peut trouver les Z? C'est bon, F2, c'est bon, elle remarche avec moi. Ok, bah let's go. On va dans l'espace-temps? Vas-y. On peut lancer ensemble ou pas du coup? En fait, rentre en premier et attends-moi là-bas pour voir. Après, si c'est, ça c'est toi la boss du truc, hein. C'est toi la boss du groupe. Attends, j'essaye. Ah ouais. J'essaye et après, essaye de venir avec moi. Essaye de. T'as pas eu un petit message qui dit. Non. T'as pas eu? Non, mais attends, j'essaie de rentrer. Ah, rejoins les membres du groupe. Ah, voilà, yes. Ouais. Yes, gong. On y va? On commence? T'es prêt? Vas-y, je te suis. Yes, gong. Trop facile ce jeu. Ouais. Ça va pas la tête, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y a des pièges partout, ce n'est pas un endroit pour les blancs becs comme toi. Bah super, ça se bat sans moi. J'ai attaqué dans le vide. C'est pour refaire vite. Vas-y, j'arrive pas à sélectionner les mobs moi. Appuie sur espace pour les sélectionner. Ah bah c'est bien de me le dire maintenant ça. J'ai oublié. Mais du coup, la souris, elle est trop chiante. Enfin, moi, j'ai les doigts sur le machin. Tu t'es bien battu, je n'aurais jamais su à toi comment quitter cet endroit. Pour ça, il faut trouver le levier. Ok. C'est pas comme ça que tu ouvrirais la porte. File maintenant. Ok. Elle m'attend même pas. Désolé. Ben ouais, non, mais... Quand même. Tu as limite tous les monstres. T'as pas ramassé la petite potion? Ouais, bah je t'ai bien vu la ramasser, toi. Mais tu l'as pas prise, c'est pas ma faute. La sortie est proche. Warning. Non. Ah, oh, je prends lui alors. Oh, 20 ans pour changer de cible. J'aurais pu toujours. Oh, une pierre guillon. Dans les sorties jusqu'ici, très impressionnant, le levier se trouve dans la pièce suivante. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. C'est à moi, ça. T'inquiète. Toujours à me voler mes trucs. Je te vois. Hein. La sortie est proche, je le sens. Ah, et voilà le levier. Vas-y, j'attaque le mob et toi, tu... Ah, je suis sur le mob. Vas-y, ben, je vais lever le levier. Je pense vraiment le ciblage de mob, non, c'est pas fou. Ensemble, on peut sortir. T'appuies sur espace, ça va. Nelly, j'ai une main sur la souris, une main sur le macropad. Je peux pas appuyer sur espace. Perfect. Tu prends laquelle de boîte? J'ai pris celle de gauche. Et c'était des œufs. Ah bah, celle de droite, moi j'ai eu des œufs aussi. Enfin, avec du bacon, mais ouais. Ouais, voilà, je crois que moi aussi. J'ai eu une épée aussi. Quoi? Une épée en bois. Attends, mais moi j'ai pas équipé mes nouveaux équipements, je suis bête ou quoi? Ah, moi non plus! Attends. C'est ça. Ah si, ça change un peu l'apparence quand même. Si, oui, je suis bête. Un peu. Attends, mais comment on voit à quoi ça sert les trucs? Ça apporte quelque chose ou pas? Parce que là, j'ai une feuille. J'ai une feuille pour camouflage que je peux mettre à la place du ruban, tu vois. Clique sur côté droit. Oui, je sais, mais... Y a pas ça sent pas plus utile. Y'a pas moins de comparer. Bah, c'est quand même... C'est mieux... Ma feuille pour camouflage, c'est mieux que le ruban. Moi. Oui, ça reste mieux. Et j'ai une épée. Moi aussi, j'ai une épée. Ouais, tu m'as dit que non. De quoi? Non, mais c'est juste que je l'avais pas vu. La meuf fait vraiment pas attention, quoi. Ouais. On doit aller où, là? On doit aller parler au garde-sable.
Non mais vas-y là, toi tu t'es là, que tu fais que XP là. Tu m'attends pas, on dirait Ryan qui joue à Dofus avec moi. Mais non mais ça te donne de l'XP à toi aussi. Ouais ouais, c'est pour ça que t'es niveau 9 et moi 8. C'est juste que j'ai XP quand t'étais encore dans la truc tout à l'heure. Oh t'as eu de la laine. Et par contre le fait de devoir ramasser ces drops là, c'est horrible. Mais t'appuies sur X, t'appuies sur R. Comment ça? Ah non c'est moi, je l'ai mis sur R. Mais de quoi, c'est quoi ça R? Bah tu sais, tu peux choisir sur quoi t'appuies pour mettre les armes et tout, les attaques et tout là. Mais non mais ramasser le drop, faut cliquer sur le drop. Oui mais tu peux aussi appuyer sur R, enfin sur... tu peux mettre, tu sais, la capture dans les compétences, tu peux la mettre dans... La capture? De quoi tu me parles? Attends, non, je suis bête, attends. Ouais, va appuyer sur K. Ah oui, et tu vas dans quoi? Tu vois, il y a déplacement. Ah, ramasser. Voilà, il y a ramasser, et tu peux faire ça. Ok. Voilà. Et Q, ça et fait quoi? Moi, je l'ai mis... Attends, je vais mettre sur... Bon, je vais laisser sur Q, on attend. Et ça ramasse automatiquement tout ce qu'il y a autour de toi? Bah non, mais ça va ramasser le truc le plus près de toi. Donc après, si tu veux le rajouter, si tu veux ramasser plusieurs trucs, il va falloir appuyer plusieurs fois. Ok, d'accord. Ba-da-da-da-da-da. Pourquoi mon niveau 8? Attends, pourquoi j'ai métier niveau 9, mais je suis niveau 8? Parce que tu vois, le métier, il augmente plus vite. D'accord. Faire quoi maintenant, garde Sam? Oui. Ah, c'est bon de te voir de retour. Je vois que tu as surmonté l'épreuve de la patrouille. Je t'avais bien dit que tu pouvais compter sur moi. En chemin, j'ai d'ailleurs rencontré un garde. J'ai pu combattre les monstres à ses côtés. Tu as aidé un de mes hommes pour une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Prends ce cadeau en signe de ma reconnaissance. Merci beaucoup, Sam. Ça m'a fait plaisir de te pouvoir t'aider. Aider. Raffiné. Ok. Je m'en rappelle plus à quoi ça sert ces trucs. Pas moi non plus. J'ai gagné quoi? J'ai pas compris. Je vais parler avec Jim. Allô? Attends, je suis en train de lire encore. Comment ça, en train de lire? Bah le truc là, raffiné... Ah! Ouais, non, les messages d'aide, je les ai bougés, moi. Ah mince. C'est chiant à lire ça. Déjà, voilà, j'ai Jim. Les textes. Ouais, Jimbo. Alors, cet aventuré a l'air d'en avoir dans le crâne. Qu'en dis-tu, Sam? Tout à fait. Il a même déjà patrouillé à ma place pour que je puisse m'occuper de ma pauvre mère lorsqu'elle était malade. Ce sont des aventurés comme lui dont on a vraiment besoin ici. Tu as bien raison. Quand je pense au type arrogant de l'autre jour, à ça, pour faire des grands discours, on pouvait compter sur lui, mais pour combattre, c'était une autre pièce de manche. Un vrai poltron, à mourir de rire. MDR. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça. La plupart des aventuriers savent faire preuve de bravoure. C'est vrai. Tu crois que tu pourrais me rendre service dernièrement? Les laineux heureux, les moutons genre, sont devenus plutôt turbulents et ravagent les champs de fermiers. Tu veux bien aller dans la plaine de notre ville pour débarrasser de ces animaux agaçants? Si tu réussis, une belle récompense t'attend. Ces laineux me poseront pas grand problème. Tu peux compter sur moi, Jim. Excellent, affaire conclue, jeune aventurier. J'ai le nez qui me gratte, horrible. Attends, viens. On va aller changer les poules contre les moutons. Ok. Suis-moi. Attends, je prends de l'eau. Ah, flacon vide. Mais... Dommage. Bah, des eaux. Moi, je vois un puits, je clique. Hein. Clique. Moi, je viens de Dofus. Hein. L'ambiance est folle. Ouais. C'est bon? T'es où? Je t'ai perdu. Il y a une petite porte. Ah, devine quoi? Quoi? Je tournais pas ma cam. Ah. Comment on choisit les nœuds heureux? Là, tu cliques sur les nœuds heureux et tu marques accompagné. Quoi? Comment je marque accompagné? Tu cliques sur ton les nœuds heureux. Ouais. Et en haut, il y a sa tête là. Avec marqué accompagné. Ouais, faut cliquer sur la flèche, ok, ouais. Ouais, voilà. Ouais, pardon, moi elle est ouverte directement, automatiquement. Excuse quoi? Par contre, ils sont passés niveau 1 là. Bah oui, logique. Bah non. Bah si, un peu quand même. Je crois qu'ils enlèvent, qu'ils enlèvent 5 niveaux ou un truc comme ça. Ah, quand tu captures? Ouais, je crois. Bah non, je l'ai capturé, il était niveau 7. Ouais, moi aussi. Oh, c'est chiant, parce que ça, du coup, ça veut dire qu'ils vont mourir direct. Ah, et quand ils meurent, ils font quoi? Ils respawn après?
Bah, tu vois, à côté de la tête de ton laineux heureux, il y a... y a une petite graine de pouvoir. Quand tu cliques dessus, ça te dit un truc qui t'a mis voilà. Et si tu recliques dessus, bah, il sera ressuscité avec une graine de pouvoir. Ah, je peux choisir ce qui se passe. Ok. C'est ça. Bah, ça de toute façon, c'était facile à trouver des graines de pouvoir, non, j'ai l'impression. Bah, on en ramasse. Mais après, bah, franchement, il faut les accumuler, ça. Parce que, bah, arrivé certains niveaux, tu as du mal, quoi, à les trouver. Toi, t'as du mal. Mon laineux heureux, il est monté niveau 2. T'as oublié de l'argent par terre. Ouais, je sais. Tu l'as ramassé. Ouais. Ok. Ah, désolé. Et c'est bon, je mise tous mes coups, là. C'est quoi, ça? Pourquoi il attaque pas mon mouton, là? C'est bon. Je l'ai mis en mode F1. Mais pourquoi il vient pas, le mouton? Ah super, il a monté de niveau. Pourquoi se téléporter? Je sais pas, mais attends, je finis mon truc avant. Comme ça, tu gagnes l'XP aussi. Oui, mais je vais récupérer les trucs aussi. Je vais récupérer mes trucs par terre. Tu fais non et on y retournera à pied. Ouais. Mais moi, je veux gérer mon mouton, là. Il veut plus avancer. Putain, toi aussi, t'as fait ça? Mais je sais pas pourquoi ils font ça. Thorm aussi, il a fait ça. De toute façon, maman, vas-y, viens, on va à pied. En fait, on va se déplacer de la map. Après, il reviendra à zéro. Il remarchera. Ouais, ok. Pourquoi c'est chiant, mais ça m'a fait ça tout à l'heure. Il y a sûrement une explication, mais je sais pas. Il y a sûrement une explication rationnelle. Oui. Il remonte ce que lui. Ah oui, il est là, mon mouton. T'as vu, il marche maintenant. Ouais. Oh putain. Beau travail, tu commences à bien me plaire. Attends, je vais baisser un peu ma chaise. Hop là. Ok, tu commences à bien me plaire. Prends cette épée en bois améliorée en guise de récompense. C'est celle que j'utilisais lorsque j'étais moi-même un jeune aventurier inexpérimenté. Avec toi, elle sera entre de bonnes mains. Ouais, il y a plein de trucs à lire que je vais pas lire là. Hein. Je vais faire confiance au jeu pour que ça fonctionne bien. En gros, ça t'explique comment tu améliores les trucs et tout, mais j'avoue que moi, je fais pas trop tout ça. Moi, je suis nul. J'ai bien vu, ouais. Ah bah mince, on a fait un truc en avance de phase. Félicitations, tu as grimpé des niveaux depuis notre dernière rencontre. Ta poule est-elle aussi progressé? Il est temps d'adopter un deuxième familier. Ah bah meuf. Cette fois-ci, attrape un laineux heureux. Les laineux sont des animaux courageux et très joyeux, loyaux. Si tu en emmènes un avec toi en mission, il te sera d'une grande aide. C'est le moment d'agrandir un peu ta famille et de capturer un autre nosmate. Okay, faut vraiment aller en capturer un du coup? Bah apparemment. Bah je vais le capturer et le renvoyer. Hein. Oui, moi ouais, du coup. Ça, mais ça me saoule parce que je l'ai fait. Et... Waouh. Ça swing de fou, quoi. Par contre, je déteste comment il se déplace. Hein. Quoi? J'ai miss. Allez. Ça me parle du mini-pays, mais ça on l'a déjà fait. La capture a échoué, non! La capture a tellement échoué que je lui ai démonté sa gueule. Oh non, le pauvre. Attends, il y a un Seedle qui m'attaque pour je ne sais quelle raison. Dégage, meurs. Oh, j'ai quasi pas de vie, regarde ma vie. Oula. You need help? Non. J'attends qu'il passe en route, vite! Capture, capture, capture! Mais c'est connard! Mais c'est le mouton qui l'a tué! Oh merde! Ah, putain, j'ai oublié d'essayer de le capturer. Je regardais pas le bon mouton. Capture a échoué. Trop nul le mec, quoi. Mais je t'emmerde. Je ramasse des cacahuètes. Très drôle. Le suicide digital. Allez, mange. Mange les coups
marteau là. Capture a échoué, mais il se fout de ma gueule ce jeu. C'est beaucoup trop drôle. C'est trop drôle de te voir galérer. Ah bon? Moi j'ai eu du premier coup, ça j'ai rien. Dis rien. Oh, dans une minute, j'ai une bataille brise-glace. Mais de niveau 10, mais je vais mourir. J'ai encore échoué la capture. Oh, c'est quoi les pourcentages? Y a pas marqué. Quel pourcentage? De chance de capture. Ah, de chance de capture, je sais pas. Est-ce que c'est pas genre parce que je peux pas avoir plus de familier que ça pour l'instant? Non, je pense pas, parce que moi j'ai eu le premier coup. Oui, mais toi t'es niveau 10, moi niveau 9. Non, je pense pas. Je suis monté niveau 9 après. Ah, mais putain, enfin! Félicitations! Ta famille s'agrandit avec un nouveau membre fidèle. Les nœuds fidèles et heureux. Il y a juste un petit souci, un seul familier peut t'accompagner dans tes aventures, c'est pour ça que les nœuds heureux que t'as capturé n'est pas avec toi. Mais ne t'inquiète surtout pas, il n'a pas disparu, il t'attend juste dans le mini-pays. Rends-toi maintenant au mini-pays pour remplacer ton gouvernement par le nœud heureux, machin. Ok. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait ça en fait. Déjà. Même moi aussi. Oh, désolé, ça m'a. Spoil. Mais ça m'a tapé au mini-pays? Oui. Et du coup, je dois faire quoi là? Bah tu dois faire genre que tu prends ton nouveau laineux et après tu reprends l'ancien, celui qui a augmenté de niveau depuis quoi. C'était U pour les quêtes. Ok. Ok. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'imagine. Après tu peux ressortir de ton truc. Et là ça me dit d'aller à la plaine machin. Let's go. Je dois suivre la flèche. Ah oui, c'est vrai, j'ai une flèche. Ah, avant, mais pourquoi t'as attaqué ça? N'attaque plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'attaque le mob, mais j'ai attaqué le mob. Ou c'est quoi ça? Mais pourquoi t'attaques des trucs, moi? Mais j'ai pas fait exprès. C'est trop drôle. T'es là, t'attaques n'importe quoi. Mais non, mais je te jure, j'ai juste avancé, il a lancé un coup de lance-pierre dessus, j'ai pas compris. Oh, attends, j'ai appris une nouvelle compétence. Ah oui, moi aussi, peut-être. Non. Oh, mais pourquoi? Putain, mais j'en ai deux des nouveaux trucs. T'as quoi? J'ai coup tournoyant et cri de combat. Coup tournoyant, ça fait longtemps que tu l'as, Nelly. Ah bon? Oui, ça fait vraiment longtemps. Avant boulon d'énergie. Ah mince. Et mais comment t'as machin de combat alors qu'on a le même niveau et que je l'ai pas? Bah je sais pas, ah, c'est mon niveau spé. Ah, les niveau spé métier que... Ouais. Niveau 10, t'es niveau 11 toi? Je sais pas. Niveau 12. Regarde. Quoi? Comment? Niveau 12 de métier? Bah je sais pas. Je suis niveau 10. J'ai attaqué des trucs. Bah moi j'ai attaqué plus de mobs aussi. Mais tu triches. C'est parce que moi je lis les trucs pour toi là. Bah je les écoute avec toi hein. Oui tu les écoutes mais t'as pas besoin de les lire en même temps. Bah attends mais je comprends pas, ils m'ont dit d'aller à la plaine truc, mais qu'est-ce que je dois faire à la plaine truc? Faut accepter la quête maintenant, faut récompenser la quête. Ah, récompense, c'est vrai. J'ai l'impression que quelque chose d'horrible est en train de se produire près d'ici. Attends, je vais capturer un hamster heureux. D'accord. Vas-y, je vais faire ça avec toi. Non, annule, connard. Ah, mais c'était moi qui voulais l'attaquer, lui. Bah non, c'est moi qui l'ai dit en premier. Mais j'avais lock celui-là. J'ai réussi. Moi aussi. J'ai eu peur de tabasser à mort sans faire exprès. Moi aussi. Hop là. On va faire la TS. La TS. La Time Space là. C'est pas Space Time. Laisse-moi tranquille, j'ai appelé ça la TS avant. Je sais pas pourquoi. Bah vas-y, rejoins. Je peux pas aller dedans. Mais je peux pas, ils me disent, je ne peux pas tant que je suis en train de me battre. Attends. Bah arrête de te battre. T'es con quoi? Bah oui, mais je suis plus en train de me battre. Ah, attends, je sais ce que je vais faire, faut que je m'assoie. T'assois? Ouais, je m'assois par sur T. Appuie sur T. Ah non, tu peux pas. Assis-toi, ça t'aide à te soigner. Sur T? Ouais, mais en fait, mais oui, non, moi j'ai. On n'a pas les mêmes binds, Nelly. Ouais, je sais, mais appuie sur K et marque reposer, genre. Pourquoi? Tu l'as fait ou pas? Non. Fais-le! Bah attends, ça je gère, c'est où? Juste parce que ça. Ouais. T'es un enfant.
Vas-y, je suis rentré dans la TS, rentre. Allez. J'arrive pas, j'arrive pas. Oui, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon? Attends-moi. Je t'attends avant de rentrer, bébou. C'est bon, je suis là. Je rentre dans la TS. Bah j'ai essayé aussi, mais il veut pas. Hein? C'est parce que moi j'ai commencé, non? Non, c'est bon. Ça, c'est parce qu'il fallait que je la commence avant, vu que c'est moi qui l'ai lancé. Non, c'est juste que j'ai mal cliqué sur le centre du truc et le... Je vois aucune porte ouverte, il manquerait plus que soit pris au piège, là-bas, un levier. Vas-y. Prépare-toi à attaquer. Vraiment, ça me bute, hein, comment... L'animation des actions, c'est trop drôle dans ce jeu. Oui. Oh, oh, le sol commence à trembler. Tout va sûrement bientôt s'écrouler. Filons alors qu'il y a encore temps. Attends, mais il y a deux choix. Ouais, mais on va à droite ensemble, d'abord. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. On fait toutes les trucs. Ouais, ouais, vas-y. Non, mais je suis pas. Un peu, hein. Ils sont dead. Il n'y a pas de sortie dans cette salle. Retournez pas. Ouais. Mais c'est bien de les faire à 100% les trucs. J'ai pas dit le contraire. Je lis ce qui a marqué juste en hein, moi. Vas-y. On va à droite ou en bas? En bas. Ah, quoique. Si, en bas. Que je suis sûr qu'après on va en bas, puis on va à droite, puis on remonte. C'est pour gagner du temps bonus. Ah putain, il y avait le Seedle là, je l'avais pas vu. C'est quoi, moi je vais attaquer à distance, hein. Je te laisse te démerder. Hein. Ah bah super, j'attaque dans le vide. Ah, on peut pas monter. Enfin, aller sur la droite. Trop nul. On va en bas? Et après on va à gauche, à droite. Vas-y. C'est un cul-de-sac. Oh, j'essaie d'en capturer, je me suis trompé de truc. Le mouton. Je fais n'importe quoi. Putain, mais j'utilise des attaques de zone, alors qu'il n'y a rien à côté de moi. Ouais. Ramasse ta potion. Attends-moi. Je t'attends. On va rentrer dans la dernière salle. Allez. Moi, tu m'attends de fou, là. Mais oui, je t'ai attendu. Pourquoi il me casse les couilles avec l'équipe de Venezuela, là? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'en ai foutu? C'est parce que... C'est parce que ils sont contents, c'est leur au fait quoi. Super. Outils pour aventurier, bonus. On est par la Mimi Mentor. Ah super. Ça m'avait manqué ça. Qu'est-ce que ça? T'as un peu que t'as quitté à Rico pour rien. C'est drôle ça. What the fuck? Je sais pas, je trouve ça trop drôle. Tu te rappelles quand on a joué à Dofus, c'est que t'étais nul? Oui, je sais. C'est pour ça que j'aime pas. Arrête, c'est trop bien. Non mais, Nelly, Dofus, t'as pris Shram, wesh. C'est bon, toi aussi. Mais c'est toi qui m'as dit de faire ça? Je t'ai pas dit de prendre Shram, hein. Si. Je te jure que non, j'ai dit de prendre ce que tu veux. Si, c'est toi qui m'as dit Shram. Mais jamais de la vie, je te dis de prendre Shram, moi, je t'ai pas joué Shram. Si, tu m'as dit Shram. Je m'en rappelle très très bien. Je t'ai dit Tram. Tu expliques à Mimentor ce qui s'est passé dans l'espace-temps. On dirait que plus ça va, plus ce monde devient dangereux. Je m'inquiète vraiment pour la sécurité de Nosville. Les habitants sont de plus en plus nombreux à rapporter que de terribles monstres s'échappent des espaces-temps pour envahir notre monde. Ces créatures semblent tout droit sorties des vieilles légendes. Comment un petit village comme Nosville peut bien se défendre contre des créatures aussi puissantes? Ne te fais pas de soucis, Mimi. Noscorp est rempli de créatures courageuses. D'aventuriers courageux que tu as toi-même formés. Ils peuvent bien t'aider à défendre le village contre les monstres. Tu as sûrement raison, c'est grâce à eux... Quoi? C'est grâce aux courageux aventuriers comme toi que l'espoir renaît peu à peu dans Anosville.
Nous devons nous préparer au combat. Accepte ce cadeau, il te sera très utile tout au long de ton périple. Merci. Il s'agit d'un outil spécial pour aventurier. Tu peux fabriquer beaucoup d'objets toi-même en utilisant certains outils. Je te conseille de l'essayer de suite. Ah mais j'en ai déjà eu moi de ça. Ah bon? Ouais, je crois. Attends, est-ce que ça c'est mieux ou pas que ce que j'ai? La même chose. Mais je peux rien c'est quoi la différence entre bon et utile? Utile, je crois que c'est moins bien que bon. Ouais, ça a l'air. Hein. Ouais. Et du coup, là, faut qu'on fasse quoi? Bah là, apparemment, elle veut qu'on fabrique des objets, mais. Attends, mais. Ah, mais j'ai sûrement fait récupérer mon objet de quête. Mais je peux pas produire un truc. J'ai pas l'objet. J'ai pas de. Ah non, c'est parce que je l'ai sur moi. Ah, c'est ça. Outil pour aventurier. Ah, ok. Ouais, comme je l'ai. Ah, vu que j'ai le truc, vu que j'ai équipé le truc, ça marche pas. Ouais. Mais c'est en fait, il faut que tu le remettes dans ton inventaire et après que tu le déplaces manuellement jusqu'au truc. Quoi. Ah, ok. Produire, confirmer. Avec une petite danse de fou là. Ouais. Vraiment, cette animation, elle me termine. Hein. Ça a marché à merveille, tu as créé un objet très utile avec ton outil. Mais pour l'instant, ce collier n'est plus qu'un bel accessoire. Avec des pierres précieuses spéciales appelées Célon, tu as la possibilité de renforcer tes bijoux de diverses façons. Ainsi, tu peux en faire des objets particulièrement puissants. Soraya Style, c'est ta mère ça, non? Oui. Dans la boutique de mode, est experte dans ce domaine. Passe la voir pour apprendre plus sur les renforcements. Allez, oh, go. Sa mère. Alors, aller voir Soraya. Ah, je peux pas l'équiper niveau 14, le truc. Ouais, moi aussi. Arsoso. Oh, putain. Jamais m'attends, hein. Jamais. Mais parce que aussi là. Non. Elle y ressemble en plus, hein. Non, pas du tout. Salut Raquette, belle journée, n'est-ce pas? Ah putain, j'avais pas encore cliqué hein, sur la meuf quand je dis qu'elle ressemble, si jamais. Ah, ok. Parce que. Non. J'avais juste vu de loin et j'ai fait la blague comme ça, mais après, oui, non, pas du tout. Ni mentor m'envoie chez toi pour que tu m'en apprennes plus sur les renforcements de bijoux. Tu t'adresses à la bonne personne. Ma boutique regorge de bijoux en toutes sortes du bras renforcé avec des pierres de Célon. Comme tu es nouveau client, je t'offre ton premier Célon gratuitement. Viens dans ma boutique si tu veux faire appel à mes services dès maintenant. Ou bien reviens plus tard si tu préfères. Ok. Ok, je comprends l'idée vite fait. Célon. Ah, Raquette, tu peux avoir un service? Bien entendu, comment je puisse t'aider? Je sais que, bien évidemment, je peux pas quitter ma boutique. Pourrais-tu donner ce panier repas à Calvin Coach? Pourquoi c'est elle qui fait des paniers repas, là? Je jure. Le pauvre est tellement débordé qu'il oublie parfois de manger le midi. Si personne s'occupe de lui, sa santé va en pâtir. Pas de problème, je vais lui apporter le panier repas tout de suite. Mais surtout, ne dis pas que c'est à ma part. Pourquoi? Personne n'a besoin de savoir, garde-le pour toi, d'accord. Ok, elle le stalk. Mais il y a une raison, elle les raconte. Arrête d'insister, à la fin, ce ne sont pas tes affaires. Bon, je laisse tomber, je me mets tout de suite en route. Ok. Allez, go. Est-ce que les autres zones elles ont d'autres musiques, s'il te plaît? Normalement, oui. Ah, ça va. Ah, mais avance, c'est putain. Banger, hein. Ouais, enfin, c'est un banger une fois. T'as un rajout. Ah, sœur du Genoïde, je n'ai pas vu le temps passer, comme d'habitude, merci pour le repas. Pas la peine de me remercier, en fait, ça ne vient pas de moi. Je m'en doutais, c'est un cadeau de Soraya, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, comment as-tu deviné? N'ai pas l'air aussi étonné, ça fait longtemps que je suis au courant de la générosité de Soraya. Ah, vraiment, c'est elle qui voulait pourtant que tu n'en saches rien. Oh, je t'ai mis dans l'embarras, je crois, désolé, je ne voulais pas. Pour me faire pardonner, je vais te donner quelques conseils utiles. Ce n'est pas si grave, tu étais déjà au courant de toute façon, alors pas la peine d'excuser. Tant mieux, tu me rassures, mais j'aimerais quand même te parler de quelque chose d'important. Après tout, mon devoir est de conseiller et de former les aventuriers de nos camps. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des compétences supplémentaires appelées compétences plus. Tu te rappelles des compétences de base que tu as déjà apprises? Les compétences sont plus sont des compétences supplémentaires qui viennent renforcer tes compétences de base. Putain, c'est compliqué à lire.
Ok. Ok. F, c'est quoi, je... Ah, ok, je fais glisser ma compétence dans la compétence plus, en bas, c'est ça? J'ai l'impression. Te voilà enfin, Malcolm Mix te cherche depuis un moment. Tu veux bien aller voir ce qu'il veut? Oui. Attends, je teste un truc. Je sais pas, je comprends pas. J'avoue, je sais pas non plus comment ça marche. Je crois qu'il y a marqué rachat compétence, mais je l'ai déjà cette compétence. Ah, mais je peux pas mettre tout n'importe quelle compétence en bas. Hein. Ouais, mais non plus. Il y a des compétences qu'on n'a pas développées. Comment ça? Bah, ah non, niveau métier 12, je suis niveau con, moi. Niveau 12, et l'autre, bah, je comprends pas. Je suis niveau métier 11, perso. Moi, non, mais parce que je sais pas si on va l'avoir ou s'il faut qu'on la débloque. Oh, il y a un combat instantané qui... Raphaël, il faudra qu'on fasse le combat instantané. C'est où? Ça va arriver dans 5 minutes, j'avais marqué. C'est quoi? En fait, c'est si je me rappelle bien, c'est genre une sorte de petite arène où il va y avoir genre 3 vagues ou 3 à 5 vagues où il y a plein de monstres qui arrivent. Et entre chaque vague, j'aurai plein de trucs à drop et de sous et tout. Mais tu vois, il y a plein de gens avec nous. Ouais. Ben voilà, c'est tout. Oula, j'ai ouvert le shop Nostal. Faut pas faire ça. Oula, non. Mais ça ouvre dans Steam, genre. Oula. J'espère qu'ils vont nous proposer, parce que a priori, ça devrait arriver, tu sais, en bas, là où il y a la molette, en bas à droite, là les où il y a les paramètres. Ok. Ouais. Voilà, non, c'est pas comme ça. Je sais pas. Ambiance. Salut Malcolm, c'est Mimi qui m'envoie. C'est vrai que je l'aime pas lui. Malcolm, oui, ok. Mimi a dit que tu me cherchais, comment est-ce que je peux t'aider? Ah, te voilà, c'est bien toi que j'ai cherché. Le petit problème? Non, j'ai un petit problème et j'aurais besoin de ton aide. Voilà, je suis là maintenant. Je peux faire quelque chose pour toi? En tant qu'alchimiste du village, c'est mon devoir d'approvisionner les aventuriers de Noseville en objets magiques de toutes sortes. La semaine dernière, on m'a commandé plus de 100 potions de guérison. Et tu voudrais que j'apporte ces ingrédients, c'est ça? Oui, ce serait gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu ruines à la fin? Malcolm, je veux bien récupérer les ingrédients pour toi, mais il faudrait au moins que tu me dises quels ingrédients il s'agit, où je suis censé les trouver. Oui, bien sûr, comme ingrédients, nous aurons besoin de fruits rouges. Tu peux en trouver sur les horribles créatures qui pullulent dans la région. Et plus précisément, de quelles créatures j'ai-t-il, où est-ce que je peux les trouver? Ou au nord, ou peut-être au sud. Non, c'est bien au sud. Au nord, plutôt. J'en suis presque sûr. ce Malcolm va finir par m'en dingue avec ses remuants incessants. Mais on se téléporte ou pas? Oui, on se téléporte, mais on fait pas la TS encore. Genre là, viens juste on pex le temps que le combat instantané commence. Oh, t'es sérieuse? Oui, c'est trop bien. Allez. Tu t'es pas téléporté là? Si, si, je suis en train de me battre contre un mouton. Attends, si je reste là et que je fais 4. Ah, mais j'ai inversé mon 4 et 6. Mon 4 et 5 plutôt. Ah, mais mon mouton il va crever! Mon mouton il est mort. Oh non! Si. Ça revient avec une graine de pouvoir? Je sais pas. Attends, je finis de tuer un mouton là. Je ramasse des trucs. Comment on le réanime? Avec une graine de pouvoir normalement. Mais normalement oui. C'est automatique, je crois. Ça a pas l'air. Hein. Ah, je crois qu'il y a juste du temps. Il y a un cooldown normalement. Oui, ok, ça ouais, c'est, je crois que c'est ça. Ça a l'air d'être ça, il y a un cooldown dessus. Ramasse la graine. T'inquiète. T'as peut-être dézoomé à spawn toi aussi. Bah, je suis dézoomé au max. Hein. Okay. Bah, c'est irregardable ce jeu sinon. Avant, je jouais que en mode de très zoomé. Ah, mais toi aussi. Par contre, tu vas pas attaquer mon mouton, il est fou lui. Si. L'autre mouton. Ah.
Allez. Mouais. Meurs. Une minute. Vas-y, assieds-toi. Attends, combat. Bah ouais, je suis en combat. Faut qu'une minute avant la CI. Quoi? Avant le combat instantané. Enfin, le CI. Assieds-toi. Mais pourquoi? Pour te remettre la vie. Ah. Ah mais attends, mais toi tu ah mais on reprend la vie sans s'asseoir depuis tout à l'heure, c'est vrai. Mais c'est ah, oui. Que ça va plus vite. Ça va plus vite quand tu t'assois. 30 secondes. Elle me fout. Je sais pas ce que c'est, moi, ce truc. C'est trop bien, ça, tu peux gagner plein de sous et tout. T'as combien de sous? Moins que toi. Combien? Bah, moins, j'en sais rien. T'en as combien, toi? 4096. 3611. 10 secondes. 10 secondes. Ok. 3, 2, 1. T'as eu le ding-dong? Oui. Fais participer, clique dessus, clique et confirme. C'est déjà fait, je crois. Yes. Et il se passe quoi? On va être TP? Ça va être TP, ouais. Normalement. Ah, ça a l'air. Mais pourquoi on peut pas? Je sais pas. Mais what the fuck? Mais non, je veux y aller! Pourquoi on n'a pas été? What the fuck? Ah, si. Ah, si, yes! Dites vous au milieu! On est trois. Bande de bâtards, on est trois. Non mais reste avec Mostid. Mais Mostid, reste là au milieu. On doit rester au milieu. Où il va? Restons collés pour pas mourir. Il est niveau 20, waouh, il est trop fort, PGM. Ouais, reste à côté de nous avant de d'envoyer plein de gens là. Et mon mouton, il est en vie? Oui. Oh! Oh putain, on va crever. C'est quoi tout ça là? On va crever. Mais c'est niveau 23, Nelly, what the fuck? Bah non, je savais pas. Ah bah je lui dead. Qu'est-ce que tu m'envoies faire là? Mais non, mais non, c'est par niveau. Je croyais que c'était genre de... Je sais pas, de 10 par 10, pas par 20 ou 30. Et puis surtout, normalement, il y a plus de monde. Nelly, tu crois qu'il y a beaucoup de gens sur ce jeu là actuellement? En fait, on aurait dû aller dans le canal 2 où il y avait beaucoup de monde. C'est vrai. Tu veux qu'on fasse ça? Bah là, c'est trop tard. Bah non. Autant rester là. On non, mais pour changer. La CI. Ah oui, mais on a sûrement changer, d'autres. Mais... Non, mais c'est toutes les heures. C'est... Ah. Il est quelle heure là? Ouais, c'est ça, c'était 14h. Puis toutes les heures ou toutes les 2h, je sais plus. Mais là, du coup, on l'a raté. C'est... Il aurait fallu qu'on change avant. Ok. C'est pas extra fin. Oh, j'ai monté de niveau. Attends, faut que je me batte contre un mouton. Putain, mais du coup, mon mouton il est reparti en cooldown alors qu'il était revie. Ah bon? Ah, ah oui, vu qu'il est mort. Bah oui, il est remort. J'ai level up. J'ai mes compétences. J'ai. Non. Toi, ton métier, il est 12 ou 13, là? Comment tu montes si vite, toi? What the fuck? Il est 13. Mais comment? Je sais pas. Je ramasse des trucs. Pourquoi? Comme ça. Ouais. J'ai gagné une herbe. C'est fou. Ouais. Bon, la petite danse, là. La tentative a échoué. Niquez vos mères, c'est bon. Elle est bien bah, la CT, là. Jeu de connard, là. C'était n'importe quoi. À la TS. À la TS, quoi? Oui, des salades. Je vais attraper les salades. Hop, hop, hop. On va ici. Attends. Je peux pas parce que je suis en train de me battre, apparemment. Tiens. J'ai lancé. Oh, mais attends-moi. Eh ben ouais, faut venir maintenant. J'arrive, mais attends-moi. Je fais que ça, t'attendre, j'attends. Je passe ma vie à t'attendre. C'est moi depuis tout à l'heure, je t'attends. Il fout lui. Bah c'est moi parce que je suis en train de lire pour toi. Non. Si. N'importe quoi, lui. C'est toi n'importe quoi. T'as vu ta tête? T'as vu comment elle est grande? deux chemins différents, sûrement un piège. Je dois choisir un chemin. On dirait presque que quelqu'un se moque. Mais c'est quoi ces dialogues de cons, là? Tu laisses laquelle? On ouvre celle du haut, celle du bas. Viens, on ouvre en même temps. Toi, tu fais celle du bas, moi, je fais celle de haut. 1, 2, 3. Ah, c'est ici. Je sais pas, c'était laquelle. C'est ouvert que celle-là, de toute façon. Mais là, c'est celle du haut, celle du bas qui a fait ça. Elle était compliquée, cette pièce, là. Ouh.
Vas-y, fais le cac, moi je fais le loin. T'en as déjà eu un ou pas d'objet de quête? Bah, il y en a un par terre là. Non, mais est-ce que t'en as un sur dans tes affaires ou pas? Je crois pas, non. Parce que moi j'en ai un, mais genre. Là, je sais pas si je dois les ramasser. Je te laisse les deux, j'en ai ramassé deux moi déjà. Ramasse-toi les deux là. Un. Ramasse celui d'en bas aussi. Ah, je l'ai pas vu. De toute façon, je crois qu'il fallait en ramasser que deux. Bah, là, il en faut juste 6 en tout, Nelly. On a 4 sur. Oh non, 5. On a 4 sur 5. 4 sur 5. Ah bah, oui, c'est ça. Alors. Nelly, on les partage, Nelly. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais je suis trop tech qu'on ait raté le CI là. Bah, je te laisse caquer. Vas-y. Ah, mais connard, pourquoi il avance au corps à corps ce con? On peut pas dire que je suis distance, genre. Bah, si tu peux, mais il faut que tu aies des attaques de trucs quoi. Bah oui, j'ai utilisé une attaque distance et il s'est rapproché au caca juste après. Donc je sais pas comment ça fonctionne ton jeu. Parce qu'il faut continuer à attaquer au caca à distance. Et attaque le corps à distance! J'aime pas comment ça fonctionne le jeu. Warning. Non, 4, putain. Oh, tu sais pas à quel point je vais jouer à Final Fantasy bientôt là à cause de ce jeu. Pourquoi? Nelly, je peux pas me permettre de répondre. Pourquoi? Parce que tu trouves ça nul? Ouais, j'ai besoin de Final Fantasy, Nelly. T'es méchant. Mais non. C'est juste que... C'est pas mon genre de jeu, quoi. Mais attaque! Et c'est chiant de voir sélectionner une nouvelle personne à chaque fois, là, à la main. Appuie sur espace. Espace, il est pas disponible pour moi. Trop nul. En fait, faudrait que je change mes binds sur la souris pour ce jeu, c'est tout. Si tu me permets à la fin de ce combat de bind quelque chose d'autre, vite fait, de fin de gérer ma souris. Vas-y. Non, dommage, on n'a pas pu faire toute la truc, on peut que sortir. Ouais. Dommage. Pas grave, hein. J'aurais bien aimé faire les deux autres dernières pièces. C'est pas grave. Ah non. Je gagne des lunettes. Toi aussi. Et une catapulte. Et une protection. Non, moi aussi. Mais putain, mais on a que les mêmes trucs. Ouais, je pense que le jeu il triche un peu, mais je vais pas te mentir. Je pense que c'est l'illusion du choix. Non, je pense pas. Attends, j'équipe les trucs. Attends, je vais même pas regarder si c'était mieux ou pas. Meilleure attaque rapprochée. Ah, meilleure défense cac, genre. Mais moins bonne défense à longue portée. Je préfère la défense cac pour l'instant. Et ça, j'ai pas le niveau encore. Ok, attends 10 secondes, Nelly. Vas-y, t'inquiète, je m'attaque, je me bats. Oula, c'est vrai que je suis en partage d'écran et pas en partage de... machin. Alors. Non, pas pour ça, pour Nostal. Ah putain, mais il a pas le profil Nostal. Ah, faut que j'ajoute un profil sérieux. Oula, je montre des trucs, ceux que j'aurais pas montré là, moi. Attends. C'est où? C'est là? D'accord, ça se voit pas, ok. Là, il m'a dit Dofus. Non, je veux pas Dofus, sois pas con. Je veux les jeux Steam, ils sont où? Steam Library, Steam Apps,
Come on, Nostail. Il doit y avoir un exé là. Oui. Nostail Client, j'imagine. Ouais. Ok. Donc si je fais ça, on va dire que si j'appuie là. J'appuie là, ça va être espace. Touche. Space. Mais putain, connard. Pourquoi il veut pas le faire? Ah, c'est bon. Mais non. Je comprends pas pourquoi il capte pas que je suis sur Nostal, en fait. Je peux pas te dire. Ça, c'est des trucs pour Dofus, mais il est trop con, quoi. Ah, Nelly JPP. Bon. Il va réussir. À force de persévérance. Attends, je vais tenter un autre truc. On va pas passer par Logitech G, on va passer par mon macropad, ok? Vas-y. Comment je configure mon macropad, moi, d'ailleurs? Aucune idée. Je le sais. Je crois que j'ai supprimé le truc. Faut que je le retélécharge. Je sais pas du tout où je le télécharge, en fait. C'est mon problème. Mon zip, quoi? C'est quoi, ça, dans mes documents? Nom, nom. Quoi? C'est quoi, ça, le... Ah, oui, c'est okay. De... Quoi? Je sais pas, il y a marqué dans 5 minutes le raid, je sais pas quoi, Météor va commencer. Je sais pas ce que c'est. Pas du tout. Si on peut essayer de le faire, mais peut-être essayer dans le canal 2, là où il y avait plus de monde. Attends, moi je dois chercher le truc de pour mon macropad. Ok. Est-ce que c'était celui-là? Parce que j'avais pas eu de macro, enfin de logiciel officiel, genre. J'avais dû chercher sur internet et j'en avais trouvé un. Oh, je crois que c'est lui. Let's go. Mon niveau augmenté, merci, je sais pas pourquoi. C'est moi qui bat des monstres. Bah, continue. Hein. Attends, je télécharge un truc sur un Google Drive. Je suis en train de te faire pex, quoi. Ouais, ouais, vas-y, continue. C'est bon, c'est chargé. Ok. Mini keyboard à trare. Extraire tout. Extrait-moi ça. Hop. Ça, on met dans les documents, sera plus simple. Nostalienne, Nostalien. Ah oui. Ceci est un rappel du règlement du jeu. Éviter d'achat ou de vente, ouais, ça ira. Exécuter quand même. Ok. Alors, moi c'est pour Nob 1 centre. Et je vais sur Space. Download success. Ah, ça fonctionne! Je vais mourir! Oh là 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 là! T'es où? Merde. T'es où? Attends, mais faut que je mange, faut que je prenne une potion. Je me balade, je vais mourir. Ah voilà, c'est bon. Par contre, te voir sur la map, tranquille là, t'es où? Si, tu me vois normalement, tu me vois un point jaune sur la map. Ah mais t'as vu la taille de la map, Nelly? Oui. Mon mouton, il est mort! Ah. T'as pas l'air d'être un point jaune, hein. Je crois que t'es un point violet à la limite, mais... Je sais pas, je descends, on voit si c'est toi. Ah si, c'est jaune, ok, je me... Ouah, c'est jaune-orange, mais c'est tout petit! Oui. Mais pour moi, il me semblait qu'on veut l'agrandir, ce truc. Je sais pas comment. Petit peu, tu as pas beaucoup. Je sais plus. Paramètres, je regarde. Attends, il y a un truc de... Ah! Je me suis enlevé de notre fenêtre, comme un con. Je sais pas si ça change quelque chose. Parce que dans les choix de résolution, il n'y a même pas ma résolution de l'écran. Il n'y a pas le 1920 x 1080. Les 100 mode fenêtre, ils se démerdent comme ils veulent. Okay.
Ok. T'es où? Bah, pas loin de toi, je suis en train de faire de la laitue là. Non, oh, la laitue. Oh, tu t'amuses là. Ouais. Ah putain, mais du coup, si t'as déjà sélectionné. Par contre, Nelly, si t'as déjà sélectionné un mob, si t'appuies sur espace, ça va attaquer le mob que t'as déjà sélectionné. Oui. Ah oui, mais du coup, moi par exemple, j'avais sélectionné un hamster tout en haut de la map. J'appuie sur espace, ça a voulu attaquer le hamster en haut de la map. Ah. Oui, bah oui. Ça, c'est un peu stupide, sur mon avis. Oh, t'arrêtes de critiquer. Jamais. Tu veux faire le raid dans une minute? Ouais, viens, on est... ça évite de changer de truc. De serveur? Ouais. Attends, il y a une graine de pouvoir par terre. Comment on quitte? Vas-y. Collection de serveur? Ouais. Vite. Cosmos. Canal 2. Oui, vite. Oui. En vrai, je sais pas ce que c'est, hein, parce que j'ai jamais fait ça, donc... 30 secondes. Départ. T'es où, Bébou? Ben, j'arrive. Bébou. On est même plus dans la même équipe, du coup, mais... Pardon. Pas en public, Nelly, quand même. Pardon. C'est bon, on est la même équipe. Oui. Attends, j'ai... Je sais pas si on pourrait y aller. J'ai failli attaquer un mob. N'attaque rien, là, pour le moment. Là, il va y avoir 10 secondes, là. Allez. 4, 3, 2, oh. Didoum. Vas-y, je participe, let's go. Mais je sais pas du tout si on peut rentrer. Hein. Attends, pour rentrer. En plus, on est que 12. Enfin, que niveau 12. Donc, ça se trouve, on va se faire défoncer comme tout à l'heure, là. Et alors? C'est rigolo. Oui, voilà. Je sais pas ce que c'est, moi. Ah, j'ai bloqué une nouvelle attaque. Cri de combat, ça fait quoi? C'est un passif, j'imagine. Le cri de combat, on l'avait depuis tout à l'heure. Non, je n'ai lié, j'avance beaucoup plus lentement que toi. Ça fait quoi? Ah, passé de joueur. Dommage. Point de classe. Ça fait quoi? Je vois pas. Moi aussi, il faut que je regarde mes compétences parce que j'ai gagné des trucs. Ah, j'ai gagné cri de morale. Je comprends pas ce que ça fait, multiple. En fait. En fait, y a pas moyen de changer les bindings dans ce jeu? C'est quoi les bindings? Quelle touche fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Normalement, oui, mais. Tu sais, t'as des trucs avec Shift D, Shift R et tout, mais je sais pas si tu peux les changer. Ah ouais, je sais pas. Nous l'oussons. Ma foi, on verra ça plus tard. Oui. Ok, t'es où toi? Ok, on fait quoi là? On doit pas aller voir Malcolm Mix? Si. Allez, go, revoir Malcolm. On peut tracer là, on peut pas tracer par là, si? Je crois pas, y a... Enfin si, on peut passer par en bas, mais par en bas. C'est quoi ça? Ah, vas-y. C'est beau là-bas. Bon, ça c'est quoi? Ouais, mais vas-y, c'est rien de... Enfin... Proche. C'est le toit plein de lune. Non mais, Nelly... Quoi? Comment ça? Quoi? J'étais dans la plaine! Réponds à mes questions. Quoi? C'est juste une petite zone comme ça où tu vas faire un donjon en gros, un raid. Oui, Nelly, mais dis-moi comment je passe de là où je suis là à sur le toit d'une putain de maison là. Franck, c'est des endroits, c'est des portails qui te téléportent. Faut pas se poser de questions. Ah oh, super. Oh putain, cette TS elle est niveau 80. Quand tu sais? Quand tu cliques sur. T'es sur la map, quand tu vas au-dessus, il y a marqué espace-temps niveau 80. Ah, ok. Tiens, je ramasse des laitues. Ta mère, il y a un moucheron là. Oh non. Oh, mais il y a du monde ici, sa mère. Ouais. J'arrive même pas. Ta mère, le moucheron dégage, j'arrive même pas à voir Malcolm Mix. Mais sinon, il est pas là, Malcolm Mix. Mais il est dans le coin quand même. Je sais même pas où t'es toi. Y a vraiment si je te vois. Je suis derrière toi. Putain, mais ils sont là, je chauffe des ailes. Prends, moi j'ai pas d'ailes. Mais ça, en vrai, j'avoue, ça fait longtemps que je suis pas venu sur l'hostel, mais
Pour moi, à l'époque, c'était vraiment les gens qui payaient pour. Genre, tu pouvais les avoir, tu vois. Non, mais tu peux les avoir gratuitement. Enfin, genre, c'est le but un peu, tu vois. Mais pour accélérer le processus et pas avoir à faire beaucoup d'efforts, et ben, il y a des gens qui achetaient des trucs. Tu es déjà de retour, merci mille fois pour ton aide. Pas de quoi. Mais je dois te dire quelque chose, de quoi s'agit-il? Pour être honnête, j'ai plus besoin de fruits, mais nique ta mère en vrai. Et Malcolm Mix, c'est pas le pire personnage de ce jeu, Nelly? S'il te plaît. Je sais pas. Quoi? Tu veux dire que je combattis des monstres pour rien? Tu n'as même pas besoin des fruits? Je suis vraiment désolé, mais la commande de potions de guérison a été annulée parce qu'elle avait déjà trop tardé. Alors tu peux garder les fruits si tu veux. Et pour te remercier de tes efforts, je sais pas lire, je vais te concocter des potions de guérison, d'accord? Ok. Bah super, merci. Et Raquette? Oui, quelqu'un m'a appelé. Par ici, je m'appelle Eva, je travaille au marché de Noseville. Tu veux bien me voir un instant, Raquette? Pourquoi elle se présente comme si je la connaissais pas? Ouais. Genre Eva Energy, là, je sais qui c'est. Hein. Ah, je suis contente de te mettre la main dessus avant que tu quittes le village. J'ai une mission à te confier. Vas-y, je t'écoute, dis-moi comment je peux t'aider. Il s'agit encore d'ingrédients. Quoi comme ingrédients? Eh bien, j'en suis... que tu avais apporté des fruits rouges à Malcolm, c'est vrai que qu'il y a toujours besoin de tous sortes d'ingrédients pour fabriquer des potions. Et c'est bien ça, et alors? Moi aussi, au marché, j'ai besoin de tous sortes d'ingrédients, mais je suis très occupé pour l'instant et je n'ai pas de temps, pas le temps de tout récupérer moi-même. Tu peux pas acheter des ingrédients au village plutôt que de les ramasser toi-même? Tu plaisantes, le marché de Noseville est le seul endroit où on peut acheter ce genre d'ingrédients. Et comme c'est moi l'agent du marché, c'est à moi de m'assurer qu'on a toujours assez de stock. Non, je voulais dire... Quoi qu'il en soit, j'aurais d'abord besoin d'un petit pois, deux petits pois. Le mieux, c'est que tu ailles m'en chercher tout de suite. Et passe vite, je n'ai même pas où trouver ces petits pois. Oh, c'est vrai, alors tu pourras récupérer ces petits pois en battant des pois et des cosses de pois. Pour le moment, 5 exemplaires me suffiront. Très bien, je me mets immédiatement en route. On a combien des pois, là? Bah, ils sont à 0, il faut qu'on les batte quand même. Ah. Parce que moi, j'en ai un en soi, mais... Ah ouais? Mais il n'a pas été mis dans les quêtes, ouais. Moi, j'en avais ramassé un. Bah, ok. De la merde, ce jeu. Attends, viens voir. Ouh, je sais pas où t'es. Viens me voir. Je sais pas, regarde sur la map où tu vas me voir. Le point jaune à côté de... À côté de plaine du marché, là. À côté de plaine du marché. Place du marché, pardon. Bon, viens là. Ici, regarde, je suis là. Il m'a sifflé, genre. C'est bon, je te vois. Oui. Viens, ici, il y a un gars, il a fait des mini-jeux dans son mini-pays. Comment on fait? Tu cliques sur sa petite maison là, tu sais, là où il y a la pancarte, tu fais confirmer. Pe. Là, on est dans son mini pelier à lui. Il y a des mini-jeux en bas. Ça. Là, par exemple, il y a une. Pourquoi il y a des gens dans son mini pelier? Bah, c'est ses compagnons. C'est pas des compagnons, c'est des gens. Oh, on est trop faible, on peut y jouer qu'à partir du niveau 50. Oh, je suis deg. Oh, pourquoi j'ai pas le droit de jouer? Je suis un peu deg. Bon bah tant pis, je ressors. Mais comment tu vois, comment tu peux pour jouer, que je comprends même pas? Bah normalement tu devais cliquer sur la marée, la petite... Enfin là où il y avait le petit bassin là. Et le petit truc ouvrir. Avec des rondeaux de bois là. Oui, ok. Mais bon, ça a pas marché. Trop nul. Attends, tu vas me dire, ça c'est un compagnon ça. Ça, c'est pas juste une meuf. Mais si, mais t'as le droit d'avoir des compagnons. Genre, c'est pas tes... C'est les gens qui te suivent, quoi. C'est tes amis. Oui, c'est tes amis c'est que comme tu parques dans ton mini-ville. Oui. C'est comme tes familiers. Ah, super. Non, mais c'est... Regarde ce gars-là. C'est quoi ce familier-là qu'il a? Quel familier? Là! Ah, la meuf. Oui, c'est quoi ça? Bizarre, wow. Nostal. Je sais pas, mais ça, j'ai chant un peu. Moi, c'était pas comme ça à l'époque. Sans déconner. Ils ont tout ça. Les gens, ils show off leurs grandes ailes, leurs familiers et tout, alors qu'ils sont même pas si... Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, okay. S'il y a un gars, il est niveau 99 plus 60. D'accord. Je savais pas... Niveau combien lui? 89 plus 82. Putain, mais il y a des gens, ils ont vraiment pas de vie, hein. Allez, Nelly, il faut venir battre des poids. Allez, go.
Oh, il y a une guilde qui s'appelle Assassin's Creed. Super. T'es où, BG? Je suis en train de me battre contre des poids. Vas-y, je te laisse ramasser les poids. Ouais. Ah, j'ai pas ramassé l'or. Mais t'es où, toi? Bah, j'attends. Bah, comment ça, t'attends? Que tu ramasses. Mais viens te battre aussi, what the fuck. Bah, j'arrive, t'inquiète. Je ramasse des laitues en attendant. Quoi? En quel honneur? Eh, vas-y, nique-toi, là. Y'a un Seedle qui vient me battre aussi, là. Allez, meurs. Pourquoi les poids, ils m'ont lâché du bacon? Allez. J'ai appris des compétences OMG. J'ai appris quoi? Non, pas l'attaque de zone! Mais oui, connard! C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ok, attends. J'ai une attaque cri de morale. Vous venez parler avec Eva. Attends, je vais mettre cri de combat ici et cri de morale là. Que pour moi, c'est pas des attaques ça. Mais je suis encore dans la zone, Nelly. Je suis encore avec les poids, moi. T'avances trop vite, où là. Je suis au fond, là. Raquette, tu t'es muté. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Oui. Bah, t'étais muté. Comment ça, j'étais muté? Bah, t'étais muté sur le... Là, t'es plus muté. Sur Discord, je m'étais muté? Oui. Oula, attends, quoi, je viens de montrer Discord de... Ah oui, merde. On va éviter de faire ça. On va éviter de montrer Discord à... sur le stream. Vaut mieux, oui. Non, mais en vrai, ça va, vu que Discord, il y a le streamer mode activé, du coup, ça montre pas trop ce qu'il y a dessus, tu vois. Ok. Mais quand même. Ah oh, non, ça va montrer l'hélicoptère, aka l'arabe. Wesh. C'est sur le Discord de Hugo. Non, mais ça. Bravo. Ah, c'est pas moi. Hein. Parce que moi aussi, j'ai ça comme sur le pseudo dessus. Hein, c'est... Mais ouais, non, c'est parce que j'ai dû me muter sans faire exprès, vu que j'ai un... Merde, comment on appelle ça? Un binding sur la souris pour muter Discord et defend Discord. Ok. Je sais pas où je suis en train d'aller, je fais nimp. T'es par là, Eva. Mais ouais, mais pourquoi je suis passé devant sans voir le gros rond autour d'elle, là? Pépé Léon. Déjà de retour, tu es rapide comme le vent, beau travail! Pas de problème, c'est toujours un plaisir d'aider. Par contre, il faut vraiment que je file maintenant, j'ai encore un tas de choses à faire. Quoi? Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça, j'ai encore besoin de toi pour récupérer d'autres ingrédients. Tu n'as personne d'autre qui pourrait t'aider? Malheureusement, non. En ce moment, c'est très dur de trouver d'autres aventures aussi aimables et aussi sérieuses que toi, tu sais. Elle est vraiment en train de dire, les autres, c'est pas les pigeons. Je te jure. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit quelqu'un en train de crier. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? Il y a vraiment marqué qu'est-ce qu'il se passe. Et hein. Qu'est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il? Hein? Je dois vite aller me renseigner. Et Raquette, ne bouge pas, nous allons pas finir notre conversation. Elle veut quoi, elle? Non, c'est U, les quêtes? Merde. Ah, mais attends! J'appelle tous les gardes aventuriers habitants de Noseville à la plus grande prudence. Toute une réunion de créatures s'est amusée dans l'espace-temps au nord des plaines de Noseville. Ces monstres sont une réelle menace pour notre pays et nous craignons qu'ils attaquent sous peu. Ok. Tu t'es téléporté toi ou pas? Là, je viens juste à l'instant de le faire. Et non, parce que moi, il y avait le texte de quête, il y avait un truc ouvert en même temps, je comprenais que dalle. Moi aussi. Attends, j'ai gagné des trucs ou pas, moi, depuis? Attends, je peux y couper ma catapulte. Catapulte en bois d'apprenti. Tu l'as pas équipé non plus. Équipe-la. Si, je l'ai mis. Si, je l'ai. C'est le niveau 12? Si, je l'ai. Ouais. Ah, ça va. Mais j'ai plus de munitions, moi, je crois. De quoi? De munitions. Il y a des munitions? Fous de ma gueule? Bah oui, tu sais, pour attaquer des flèches. Enfin, tu sais, pour attaquer aux catapultes, là. Quoi? Normalement, t'as des. Normalement, oui. Comment ça? Bah, dans l'inventaire. Mais moi, je n'ai plus, donc je pourrais pas te dire à quoi ça ressemble.
Qu'est-ce qu'on raconte? Bah, quand t'attaques, soit quand... Pardon, quand je vais attaquer à distance, ça me dit que j'ai plus de munitions. Ah bon, il y a des munitions pour ça, what the fuck? Bah oui. Attends, moi je peux toujours. Ah non, j'en ai plus, apparemment. Bah voilà, voilà, voilà. Mais je savais pas, moi putain, j'attaque, ils m'ont jamais prévenu qu'il y avait des munitions. Bah écoute, moi aussi j'ai oublié. C'est quoi ce jeu de con là? Oh! Non, non, pas de oh! Si. Allez, viens, on fait la TS. Arrête de dire TS. Mais c'est comme ça qu'on dit. Ah, oh, excuse, madame la pro-gameuse. Non, mais parce que TS, ça me fait penser à autre chose et tu sais quoi. Même aussi, mais bon. PTSD, là. Je te jure. Ah, je vois ton mouton. Il est où le chien? Là, il est loin derrière. Il est un peu lent. Hein. Rejoins-moi. Ok. Let's gong. Let's gong. Let's gong. On doit le taper lui ou il est avec nous? Non, il est avec nous. Il est avec moi. Ah super. Ah j'ai passé mission, c'est vrai. Tiens, il y a des munitions pour catapulte si tu veux. Ouais, mais une. Bah prends. Non, mais il y en a plusieurs normalement dedans. Attends, disons. Ah, ah mince, pardon. T'inquiète, tu peux. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. Je vais tester les attaques cri de machin là et tout ça, je sais pas ce que c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Mais la chiste attaque aussi là, c'est quoi ça? Amulette de retour au bercail. C'est quoi, c'est pour sortir gratuitement du truc, du donjon? Je sais pas. Ce n'est pas encore terminé. Je crois que c'est un délire pour retourner à Noseville gratuitement. Okay. Je suis pas sûr. Je suis bête. Ouais. Non mais j'ai utilisé une attaque au cac alors qu'il n'y a pas de mob autour de moi. Ah. En effet, oui, tu es bête. Attends 10 secondes avant de passer la porte. Vas-y, juste j'actionne le levier. Je regardais mon inventaire avec mes munitions là, je sais pas si j'ai tout utilisé. Comment on voit ça? Y'a pas un moyen de voir ces munitions sans déconner? Je sais pas. Bah si, tu l'as ramassé normalement, ça doit être oui, dans principal, je crois. Dans équipement ou dans principal que tu dois. C'est quoi cri de morale et tout ça, ça à quoi? Bah c'est des attaques, c'est des... Oui mais ça fait quoi? Parce que cri de morale, tu te sens reboosté par ta bonne humeur et un sentiment de sécurité. Non, mais encore. Écoute, par exemple le cri... le moral augmente de 4. L'énergie est complètement rechargée pour renforcer l'attaque suivante. Ok. Coup de combat, l'attaque et la défense augmentent. Ok, ok. Peut-être le cri de morale, bref. Ah mais ça dure longtemps, cri de morale et cri de combat. Actionne levier, tu vois, vite, actionne levier, ok. Attaque ta mère! Et j'ai même pas. La meuf, elle me laisse dans le combat juste pour aller récupérer le loot, sans déconner. Ouais. Je t'ai vu, hein! Sérieusement, c'est trop grave de faire ça. Oh, ça va, hein. T'as drop quoi, dis-moi tout. J'ai des biscuits. Pareil. Après, le reste, bon, on les a tous. Tissu, bois et marteau. Je peux pas mettre... Ah si, je peux mettre le marteau OMG. Pip. Attends, je vais mettre le marteau. Attends. Bien joué, Raquel, nous avons déjoué leur plan à temps pour cette fois. Mais fais bien attention à toi, le danger est toujours présent dans la région, j'aimerais pouvoir t'accompagner de souvenir. Ce ne serait pas de refus, tu devrais aller pouvoir
Ah, allez voir maintenant si tout est dans ordre dans la plaine de Noscamp, puis retournez au village. Les habitants de Nosville peuvent s'estimer heureux d'avoir l'aventure et ce grand jeu dans leur rang. Merci encore. C'est impossible à lire ces trucs-là, sans déconner. Oh là là. Équipe ton marteau. Ça y est, c'est fait. Ça va. On va où, là? Faut tuer des boss, des mobs. Oh, let's go. Ça, je sais faire, ça. Non, mais ça dure vraiment longtemps, les cris. Je pensais que ça allait être chiant de devoir aller faire de façon récurrente, mais non, ça va. Oh, le coup critique. Le coup critique sur son gros crâne de d'hamster, là. Reviens. Il y a beaucoup d'attaques après dans le jeu ou pas? En fait, ça dépend, parce que t'auras une spé après. Ouais. Donc oui. Ah. Pas que je fasse les keybinds du coup. Ouais, ça va, là j'ai réussi à changer. Du coup, ma première ligne c'est 1, 2, 3 machin. La deuxième ligne c'est contrôle 1, 2, 3. Et la troisième c'est alt 1, 2, 3. Oh, j'ai gagné un marteau par terre. Marteau en bois. Bah, il est moins bien normalement. Bon. Enfin, je vais vérifier. Ouais, il est moins bien. Ah, t'as tout battu. Attends, je me file mouton. Tu m'as fait monter de niveau. Ramasse l'or. Ah, mais hein, tu veux pas, okay. tu veux pas téléporter, toi? Non, j'ai cliqué sur l'or parce que j'avais des trucs à ramasser. Ah, ok. Eh ben, on se rejoint là-bas, hein, écoute. Ouais, vas-y, t'es pour toi, j'arrive. Bah, elle est où? Elle est là. C'est vrai qu'il y a du... Rebonjour, Racket. Les gardes m'ont dit que tu as fait du très beau travail. Ils ne tarissent pas d'éloge à ton sujet. Je suis très fier de toi. Bah, merci. Elle m'a donné des têtes de poulet. Tu devrais vraiment te reposer un peu et surtout te préparer à ta prochaine mission. Vérifie la qualité de l'équipement et regarde un peu où tu en es au niveau des compétences. Quand tu auras fait tout ça, reviens me voir. Changer de classe, comment ça? C'est quand qu'on fait ça? Niveau 20 normalement. Enfin, ah niveau oui. 20 ouais, de spé normalement. Est-ce que tu dois choisir entre archer ou sorcier? Ouais. Attends. Hop, je m'étire un coup. Tu voudrais être quoi? Escrimeur, excellent taux de défense et HP, se spécialise dans les combats proches. Attaque, mouvement rapide, se spécialise dans l'attaque à distance. Support, attaque magique variée, se spécialise dans l'attaque magique avec grande valeur de PM. En fait, je sais pas. Parce que j'aime bien les trucs à distance, mais dans les jeux dans le genre, légèrement c'est mieux le corps à corps, tu vois. Enfin, après là on joue à deux, du coup, si toi tu prends Escrimeur, moi je peux prendre à distance normalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense qu'il. Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Kinder Country! D'accord. Pardon. C'est trop bien comme nom. Non, mais parce D'accord. que sinon il y a Sorcier aussi, c'est pas mal parce que c'est les healers. Oui, c'est sûr. Mais ça c'est ton job, healer, pas moi. Waouh! Ah, tu le sais, c'est ce que tu fais sur Final Fantasy, Nelly. Oui, je sais, mais justement, je fais ça sur Final Fantasy parce que sur Nostal, je faisais ça. T'es sérieuse? Bah écoute, fais healer encore, hein, si tu veux. Je sais pas, ça dépend de toi, en fait. Ça dépend de ce que toi, tu veux faire. En vrai, je pense que je vais prendre le cac pour pas me casser trop la tête. Ok, bon, bah je prendrai healer, alors. Je vais prendre Escrimeur, mais je suis pas encore niveau 20, donc on attendra ça. Je me déporte. Comment ça? Où ça? Mais fallait lui reparler à Mimi. Ah bon? Ah. Oui. Bah attends, je lui reparle. Je t'attends alors, j'attaque pas alors. J'attaque pour la suite des aventures, tu auras besoin d'un objet spécial, mais il va falloir d'abord le fabriquer. Un objet spécial, de quoi s'agit-il, Mimi? Il s'agit d'un masque de Kovolt. Un masque de Kovolt, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une chose pareille? Tu finiras par comprendre. Pour l'instant, dis-toi juste qu'il est indispensable pour te préparer comme il se doit. Pour fabriquer un masque de Kovolt, nous avons besoin de 6 graines de dendère, de 4 feuilles de sido. Tu trouveras les graines de dendère sur les dendères toxiques faibles et les feuilles de sidol sur les sidoles de feu léger. Ok. Je me téporte. Let's go, t'es là. Bah, attaque. Ok.
Oublie pas de faire tes cris. C'est vrai. Merde, j'ai pas ramassé les trucs par terre. C'est pas grave, il y a le time. Ouais, mais te connaître sans toi, si je ramasse pas des graines de pouvoir, là, tu vas péter un câble. Oui, les graines de pouvoir, on peut les ramasser. De toute façon, personne peut les ramasser à part nous, normalement. Oui, je sais. Ah, c'est toi qui as changé ça ? Oui, c'est moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus tard, on pouvait pas ramasser les objets de l'autre. Ah. L'un de l'autre. T'es sûr ? Je crois. T'es sûr que là, ça, juste, ça partage pas ce qu'on ramasse ? Genre, en mode, si je ramasse, des fois, ça donne à toi, des fois à moi ? Non, non, ça donne pas. C'est juste que, genre, si toi, avant, si moi, je gagnais des objets, mais que je les ramassais pas, toi, tu pouvais pas non plus les ramasser. Ok. Je sais pas, là, par exemple, c'est marqué graine de dandeur, priorité de tous les membres du groupe, je comprends pas trop. Parfois. Faut que je reprenne un peu ma vie, moi. Hein. Ouais, moi aussi, je m'assois du coup. Mais je comprends pourquoi. C'est quoi ça? Ah, c'est. Okay, de quoi? Je faisais altité depuis tout à l'heure. Oh, le banger! Ils attaquent fort ici, hein. Ouais. Nelly. Quoi? J'ai un peu faim. Moi aussi. Non, mon mouton! Sale merde! Oh merde. Oh non, non, je vais mourir. Je pars. T'es contre quoi? Je suis contre 3 mobs sans exprès. T'as fait une attaque de groupe? Oui. J'ai pas de truc à distance. Bouge pas, ramène-les-moi. Hop là. Putain, mais je vais mourir bêtement là. Dégage, 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 dégage. Je prends l'aggro. Merci. Eh, je suis tank moi. De fou. C'est mon or ça. Eh, hey, t'es sérieux ça? Mais non, mais c'est parce que. Mais non, c'est pas ton or. Je suis venu, j'étais. J'ai commencé le combat. T'as fini le combat grâce à moi. T'as fini grâce à moi. Mais non, mais t'as pris ça là-dessus, c'est bon. Non, j'en ai rien à foutre. T'as fini le combat grâce à moi, t'es sérieux ça? Je suis désolée. Faut qu'on tue des Seedles. Ouais, on va tuer des Seedles, ouais. Pardon. Ok. Tu as tout ce qu'il nous faut, très bien, je te fabrique sur le champ le masque de Kovolt. Merci bien. Or. Mimi, qu'y a-t-il Calvin? Tu as enturé que nous avions envoyé explorer l'exploitante dans la prairie des mines ne sont toujours pas revenus. Nous ne savons pas non plus ce qui est arrivé aux soldats partis les secourir. Ce sont bien de mauvaises nouvelles. N'y a-t-il vraiment aucun indice qui pourrait nous permettre de comprendre ce qui est arrivé aux aventuriers? Rien pour l'instant, Mimi, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à renvoyer des nouvelles troupes de soldats dans l'espace-temps. Oh, ça, j'arrive plus à lire, Nelly. Cette fois, il faut vraiment que aller au fond des choses. Laisse-moi relever cette mission, je ne vous décevrai pas. Mais on parle à distance, là, comment on fait? T'inquiète. Il y a des téléphones dans l'hostal? J'en sais rien, mais je sais pas. C'est d'accord, tu as déjà prouvé que tu étais quelqu'un de fiable. J'ai failli lire faible. Hein. Raquette. Mais jure-moi de faire attention à toi, j'ai un terrible pressentiment sur les événements qui se trament. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Au nom de tous les aventuriers de Noscamp, je verrai tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir ce qui s'est passé. Bonne chance dans la mission, tu rencontreras peut-être en rejoignant les soldats que vous envoyez dans l'espace-temps. Ok. Oh, trop drôle. Qu'est-ce que t'as ? Attends. Ça sert à que dalle. Okay. Mets ton masque de kobold. Kovolt. Kovolt, pardon. Et c'est déjà fait. Ça va. Moi aussi, regarde. On ressemble à des petits chiens. Je lance la PS. Ouais, vas-y. Alors. Attends. T'inquiète, je t'attends. J'ai pas un nouveau sort. Si, j'ai un coup énergétique. Hein. Je vais bientôt avoir plus de place pour mes sorts, moi. Hein. Oui.
Attends, mais du coup, ça sert toujours à quoi, là, les trucs en bas pour monter, je comprends pas, moi. Pour renforcer tout ça. Pour renforcer... Mais je sais pas encore. Enfin, je sais plus. T'as rien expliqué l'autre, mais j'ai oublié. C'est des coups armés que tu peux mettre en coups renforcés, genre. Ah, mais c'est bon, je crois, du coup. Tu l'as fait ? Je sais pas. Comment ? Je sais pas. Ah oui, c'est bon, j'ai pensé des points de classe. Mais comment t'as fait ? T'as fait rachat complet ? Non, en fait, j'ai mis coup armé sur la case, là, le rond. Ouais. Et j'ai double-cliqué dessus. Bah, moi, ça m'a rien fait. Ah, mais j'ai coup multiple aussi que j'avais pourvu. Mais moi, si... je peux pas, ça me fait rien. T'as combien de points restants de classe ? 12. Bah, du coup, si, tu l'as utilisé, du coup, ça veut dire. Bah, je sais pas. Bah, si, maintenant quand... Il y a toujours marqué courant, coup. Si, si, c'est bon. Mais attends, c'est lequel l'autre que tu disais, coup tournoyant ou coup multiple ? À côté de coup tournoyant, il y a coup multiple maintenant, que j'avais pas moi avant. Attends, ah, c'est ça maintenant que t'as coup multiple, tu l'avais pas ? Je sais pas, si, je l'avais. Bah alors. Juste que je l'avais pas vu. Mais juste que maintenant, ton coup armé, c'est coup armé plus coup renforcé. Je crois. J'en sais rien, Ellie. Mais moi, ça m'a rien fait, j'ai rien pu faire. Je double-clique, mais ça fait rien. Si, ça te l'a fait. C'est juste que tu l'as pas vu, mais ça te l'a fait. Mais. T'as combien. Ton coup armé maintenant, il fait quoi en fait ? C'est la même chose, je crois. Enfin, j'en sais rien en vrai. J'en sais rien, Ellie. Mais je veux dire, quand tu fais clic droit, il y a quoi dessus ? Il s'appelle juste coup armé. Bah oui. Et c'est quoi les... Ses spécificités, enfin ses caractéristiques. Non, mais c'est la même chose que toi, Nelly. Juste que courant. Moi, j'ai pas courant forcé, par exemple. Nelly, tu avais sûrement plus que 12 points de classe. Tu as payé 4 points de classe pour avoir coup renforcé sur en compétence plus. Mais t'as combien, toi, de points de classe ? J'en avais 14, j'en ai 10. Toi, t'en avais sûrement 16, maintenant t'en as 4. 12. Mais what the fuck ? Bon, bah, ok. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment, mais. Parce qu'on peut pas revoir les Z quelque part dans ce jeu. Si, mais je sais plus. Ah, j'ai pas l'impression, non. Bah, je sais plus. Bref, tant pis, on verra bien. Quoi ? Comment ça, le temps est échoué, on n'a pas commencé ? Ouais, je comprends pas. What the fuck ? C'est pas normal, ça. Mais on n'avait pas commencé ? Bah oui, y a pas de temps, normalement. Putain, on a perdu de la dignité, là ? Toi qui es pas digne. Mais voilà, c'est toi aussi là, tu. T'es là, tu me dis, oh, attends, t'aimes trop faire ça quand on est en quête. Mais c'est la zone. C'est le lobby. Normalement, le lobby, y'a pas de temps. Bah ouais, c'est ce que je me disais, mais. Putain, ils font chier. Vas-y, rentre-toi. C'est toi en premier qui doit rentrer. Pourquoi moi ? C'est toi qui a commencé là. Ah. Avant, Glassaf sous ta oreille, comme un murmure, les monstres, ils arrivent. Ils veulent s'échapper de l'espace-temps. Quelque chose est révélé dans tous leurs états, ok. Je sais pas pourquoi ça nous a fait perdre, hein, je comprends pas. Hein. Bah, je sais pas, parce que normalement le temps il se met que à partir de. Bah oui. De quand on décommence, mais je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'il doit y avoir un temps max dans la TS au cas où, mais. Par contre, je vais ramasser les catapultes parce que moi j'en ai plus. Quoi ? Il y avait des munitions. Oui, non, c'est pas ça que je parle. Juste pas compris ce que ça fait coup énergétique. Je sais pas. Toutes les attaques ont... Ok. J'ai pas compris ce que j'ai fait avec... Enfin machin. Je vais faire mes cris là vite fait aussi. Non, ta mère. Mais... Pourquoi je suis reparti au début ? T'as fait la salle sans moi, wesh. Il y avait rien à faire. Ah bon ? T'es un marcheur. Ah oui. Ah mais ça c'est à distance, c'est vrai. Ça je sais pas ce que c'est. Meurs toi. Misère vermine, tu crois pouvoir m'arrêter ? Ah, je me bats le vin, gris de rebusant.
Nelly, je comprends que dalle à ces sorts de cons là. T'inquiète, t'appuies sur des touches et ça marche. Garde 1, sauver l'aventurier. Garde 2, ces monstres vont voir ce qu'ils vont voir. Garde 3, à l'attaque. On va faire l'attaque de zone là. J'ai raté mon attaque de zone, j'ai envie de crever. Pourquoi il attaque rien? L'espèce de gros con, tu avais attaqué quelque chose? Nelly, j'ai rien fait, j'ai rien fait. D'accord. Nous lui avons montré, tous les monstres sont vaincus. Mais attends, va en sortir, je lis les textes, Nelly. Ah, pardon, moi j'ai pas eu de texte. T'as pas eu de texte, mon fiac, oui? Je te jure, j'ai pas eu de texte. Bien sûr. Je te promets. Mm-hmm. C'est vrai. Mm-hmm. Non mais c'est vrai, j'ai vraiment pas eu de texte. Bien sûr. Mais c'est vrai. C'est fini, j'ai vraiment réussi. Et toi, l'aventurier? Oui, qui m'appelle? Je suis là, à l'entrée de la mine, viens donc me voir. Attends 10 secondes, s'il te plaît, Nelly. Je t'attends. Parce que je veux comprendre ce que c'est coup énergétique. Ça sert à quoi, ça? Ça fait quoi? L'énergie est complètement rechargée pour la première chasse d'attaque. Quelle énergie? En gros, ça veut dire que quand tu vas attaquer... L'énergie, tu penses, c'est le temps que tu le temps de recharge. Genre, par exemple, t'as vu, je pense que c'est pour enlever le cooldown. J'imagine, c'est comme ça que je l'ai comprise. Attends, je vais faire une attaque à cooldown. Genre ça. Je vais faire ça. C'est pas vrai ce que tu me dis. Bah, je sais pas. Tu m'as dit des mensonges, je sais pas ce que c'est l'énergie. Bah, c'est peut-être les MP marqué, alors. Il y a quand même marqué toutes les attaques en manque de 40 aussi en dessous. Je crois que ça donne de l'énergie pour la prochaine attaque, juste. Ouais. Mais... Mais juste que ça me dit jamais... Ça m'a jamais dit ce que c'était l'énergie, quoi. Bah, je sais pas. C'est peut-être les MP, juste. Non, non, parce que quand je fais l'attaque, coup énergétique, ça me donne un buff qui me dit l'énergie est complètement rechargée, et aussi il y a marqué recharge 160 sur 160. Et t'as combien de MP? 225. Ouais, je sais pas. Non, j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Et attends, j'ai testé une autre attaque. Genre 5. Coup multiple. C'est pas mal. Ah, je crois que ça fait que ma prochaine attaque elle tape fort, juste en fait. Ok. Toi, tu l'as pas ce sort? Si, tu l'as. Si, je l'ai. Attends, une attaque normale, ça fait 63 apparemment. 74, 22, 35, 22, 80, 64, 24, miss. Critique, donc on compte pas. Ok, j'ai vu après ce que ça faisait. Je vais trouver un autre Seedle. Je vais faire 4. Si, ça augmente la puissance de ta prochaine attaque, juste. Ok. Je vois, je vois, je vois. Ok, ok. Attends. Quoi? Oh, il y a une graine de pouvoir. Ah bah ramasse-la. Juste que je regarde un truc là sur Twitch, sur mon, enfin sur mon retour sur la tablette. Mm-hmm. Je vois, ça me marque en gros que je stream depuis 52 heures, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ouais, non. OBS me dit que ça fait 2 heures, lui, de son côté. Ce qui est beaucoup plus le cas. Oh, il y a un renard, il lui reste plus que un pêcheur. Non, attaque pas! Pas le renard, il est à moi. Non. T'es sérieux là? Ça va, il y en a d'autres des renards. Je voulais le capturer! Ah, tu voulais le capturer, mais on n'a pas le niveau, Nelly. Je sais, mais je voulais monter niveau avant. Mais il y en a d'autres des renards. Mais lui, c'était. Je sais pas, le fait qu'il ait que un PV, ça m'a donné envie de le prendre. What the fuck? Mais je sais pas, il était Mims. Il était Mims. Ah bah t'es trop méchant. Mais non. Va attaquer des mandragores toi. Attends, j'attaque un renard là encore. Wesh. Wouah. Oh mais c'est HL les mandragores, what the fuck. Enfin c'est niveau 17 quoi. Allez.
L'ambiance est vraiment folle. Mais le renard, il m'attaque pas. Il est trop gentil, quoi. Il est un peu bête. Et ramasse l'or. Et je vais mourir là. Oh, 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 le coup critique qui clutch. Je m'assois un peu. Vas-y. Il faudrait qu'on aille voir le monsieur là. Le monsieur Mudog. Ah oui, Mudog. Mudog. Bah go alors. Mais non, je suis pas encore. Bon, tant pis. Bon, ok, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, si, c'est bon, je suis plus. J'ai pas besoin d'être reposé en soi. Non, mais tu voulais monter niveau pour capturer le truc, je sais. Ça me fait quelque chose cette musique. Hein. Tu vas où là? Bah ouais. En vrai, on peut cliquer sur la map à skip. Oh, la bataille de l'arc-en-ciel! C'est ça les icebreakers! D'accord, tu veux t'inscrire? Ah, y'a quelqu'un qui cherche des trucs pour une bête corrompue. Tu fais quoi? Attends, bah je viens de te dire, je suis en train de lire un truc. Je t'ai dit, il y a le... T'as un joueur qui cherche des gens pour un raid. Il m'écoute ou quoi? Allô? Allô? Put... Ah, j'étais muté encore, what the fuck? Ouais, je me dis... C'est bizarre qu'il parle pas. Bah oui, mais faut me le dire. Bah je sais pas, j'ai pas vu. Mais je parlais juste pas. Évidemment que je vais parler. Je disais, il y a un gars qui cherche des gens pour un raid. En bas. Ouais, mais je l'ai enlevé. Ok. On est trop bas level pour le faire. Ouais, bon, je vais lire. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que tu me veux? Je vais t'appeler parce que j'aurai un service à te demander. Et quel genre de service? Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes avec autant de méfiance? À quoi tu t'entendais? Tu suis nulle part. Tu me demandes de venir te voir. Et en plus, tu veux que je te rende service. Et tout ça alors que je te connais même pas. Tu viens d'aventurer, non? Si je ne m'abuse, les aventuriers de ton genre sont toujours en quête de nouvelles missions et de nouveaux défis, non? Bon, c'est vrai, où tu veux en venir? Ce que je vais te dire, c'est qu'un aventurier comme toi devrait déjà être habitué à accepter des missions confiées par des étrangers. Es-tu un véritable aventurier, oui ou non? Bon, ça va, je vais t'aider, de quoi s'agit-il? Eh bien voilà, j'ai perdu mes marteaux en bois. Et c'est pour ça que tu as besoin de mon aide. Le problème, c'est que ces marteaux ne m'appartiennent pas. Théoman Top de l'armurerie me les a prêtés. Théoman peut parfois être grincheux. Comment est-ce que je peux t'aider? Oh, attends, faut que je rote. Oh. Super. Pardon. J'aimerais que tu retrouves les marteaux perdus pour moi. Tu veux que je fasse quoi? Peur. Tu as bien entendu. Je veux que tu récupères ces marteaux. Je ne les ai pas perdus ici, mais dans l'espace-temps tout près. Et ce n'est pas demain la veille que Jack Sprit vient mettre les pieds. Et qu'est-ce que je peux bien y faire? Alors tu es maintenant un aventurier, non? Si oui, alors ne reste... Attends. Ne reste pas là longtemps à ne rien faire. Allez, va donc aider un citoyen travailleur et innocent de nos villes dans le besoin. Je ne sais pas lire, c'est horrible, Nelly. Mais non. Attends, il faut que j'éternue. Encore. Ah. Ça devrait aller. Aventurier, je sais que c'est ridicule, mais les kovolts m'ont expulsé de la mine. Qu'est-ce qui leur prend? Ce serait pas ton boulet pour hasard t'occuper de ça, aventurier, fait quelque chose. Il me donne deux quêtes ou il fait quoi, là? Hein? Je sais pas, t'es où, toi, là? De me battre contre des hamsters tant que tu lises. What the fuck? Pourquoi t'as pas des covolts? Enfin, des chiens là. J'en ai attaqué un. J'en ai attaqué deux, je crois. Mais ils sont un peu forts, hein, niveau 18. Ah ouais. J'avoue, il est en train de me défoncer, le con. Non, 4, je voulais faire. Je vais mourir, Nelly, aide-moi s'il te plaît, vite, Nelly. J'arrive, vite, fuis, j'arrive, fuis, j'arrive. Bah viens. J'essaye, je suis juste lente. Je suis dans un cul-de-sac, Nelly s'il te plaît. Viens par là. Oh putain, t'as attaqué un gros. Un gros, c'est un chien juste, qu'est-ce que tu me racontes? Non mais ça va pas être qu'un gros chien, un mineur expert. Ah, peut-être. Il a tué mon chien. Il a tué mon truc.
Il a détruit mon truc. Non, Michel. Mais mon mouton, il passe sa vie à crever. Je te jure, tu perds que des graines, là. C'est bon, c'est pas grave, il y en a plein. Oui. Attends, c'est K pour les compétences. Ok, j'ai tout. Bataille arc-en-ciel. Il va commencer bientôt, là. En fait, je suis même pas sûr de ce que c'est, là, le bataille de l'arc-en-ciel. Bah, je sais pas non plus, Nelly. Tu vas attendre que ça commence? Oui. Oh, j'ai mal au dos, en vrai, là, un peu. Bon. Ça te dit, on finit ce donjon-là et on arrête un peu, là, après? Si tu veux. En vrai, toi, quand tu veux jouer, mais moi, je vais arrêter, je pense. Ok. 30 secondes. Ouais. En vrai, ça se trouve, enfin, ça se trouve, c'est même pas ce que je pense. Si ça se trouve. On verra. On va voir. On pourra même pas rentrer. T'es où, toi? Je suis à côté de la TS. Dix secondes. Trois, deux, un. Oh. On peut pas s'inscrire? Il y a marqué, tu peux maintenant t'inscrire. Oui, mais y a pas le truc. Bah, je sais pas. Y a peut-être un raccourci clavier pour ça. Non, mais normalement, c'est... Non, j'attaque un. Ça doit pas être notre. J'attaquais le truc. Ça doit pas être de notre niveau. Je crois que j'ai jamais fait de bataille de l'arc-en-ciel en fait. Parce que moi, c'était l'icebreaker que je pensais. Ah. Bon, on rentre dans la TS? Vas-y. Bah, pourquoi j'arrive pas? Bah, clique sur je clic. Ne veux pas pour... Non, mais ils me disent pendant que je suis en train de me battre. Personne se bat là. Vas-y, je vais m'asseoir un peu. C'est bon. J'ai lancé. Hein? Moi aussi. Vas-y, mais bon. Confirmé. Ah merde, j'aurais dû me boost avant. Enfin, me boost, faire mes trucs. Mes on va tout droit ou en bas? Attends, je suis ressorti sans faire exprès. Mais, what the fuck? Mais c'est quand tu restes sur l'entrée que tu t'avances pas, ça te fait ressortir. Bon, je vais à droite. Vas-y, j'arrive. Bon, il n'y a rien de honteux face à des gens trop puissants pour toi. Tu veux faire quoi? On les bat ou on part? Ouais, ils sont niveau combien? Mais non, on peut les battre. Oui, mais j'ai un truc, c'est que la... regarde le nombre de salles qu'il y a. Ah, bah. De toute façon, on a déjà commencé. Non, Raph, il va falloir qu'on parte, je pense. Attends, je finis au moins de tuer ceux qu'on a combattu là, lancé, non? Mais ouais, je vais mourir là en fait. Comment ça? Mais regarde ma vie! Ah, what the fuck? Vas-y, sors. Ah, faut juste trouver la sortie, genre. Apparemment. Ah oui, c'est la mission, échappe-toi vers la sortie. Je vais là. Je me repose un peu parce que je vais crever sinon. Ah, Nelly! S'il te plaît! Quoi? Viens là! J'arrive. J'avais oublié qu'on pouvait se faire aggro dans les salles comme ça là. Y'a un coffre. Ah oh, mais j'ai crevé. Moi aussi. J'ai récupéré l'objet de quête. Attaque-le avec moi s'il te plaît parce que sinon on va perdre. Ouais bah t'inquiète, c'est bon. On a que quoi? Il nous reste plus que 14 secondes pour les battre. What the fuck? Pourquoi ils s'ouvrent pas? Bon, repose-toi. Pourquoi? Il y a un mob qui arrive là? Non, mais profite du moment que. Non. Voilà, qu'on est debout. Ah, là, ok. Enfin, qu'on a rien à faire pour ça. D'accord, ok, je vois. Non, putain, en plus, eux, c'est des trucs empoisonnés là. Il y a un petit air empoisonné. Ok. Attends, je me repose un peu avant parce que. Vas-y, go. Ah, évidemment. Oula. Non mais 5 putain.
Ma vie, elle descend de trop, là. Voici. Une fois qu'on va terminer, tu dévoiles... on dirait que ça se... Ok. Bah, go, hein. Oui. Ok. J'ai des gants. Énigme. Ah, moi, j'ai une cape. Enfin, genre le manteau chaud, genre. Donc, ce n'est pas l'illusion du choix, au final, apparemment. Ok, je vais arrêter là, mon Ellie. Ok. Toi, si tu veux continuer, continue un jour. Non, c'est bon, t'inquiète. T'as le droit, hein. Non, mais je vais pas, je vais monter de niveau plus que toi. Comme tu le sens. Sauf si tu veux, sauf si tu sens plus de jouer du tout. Je sais pas si je jouerai de fou encore, mais... Il y a moins que je redonne un petite chance, mais pas sûr que j'aille de fou dessus. Ok, oh, c'est trop mignon. De quoi? C'est, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a donné du gain en XP. Et moi? Je sais pas en fait, je sais pas si c'était juste, je sais pas. À côté de ton nom là. Oui. Il y a pas un truc. Ah, gain en XP accru, si. Ouais, si, bah voilà. Je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a donné ou. Je sais pas. Bon. Je vais quitter moi. Vas-y, du moi coup. Je vais. Vas-y, bah moi je continue un peu le temps de pex un peu et. Mais un petit peu quoi. Et bah, c'est quoi, je te laisse pex et je déco pas. Comme ça, je prends l'XP. Waouh. Va te mettre dans un endroit en lieu sûr alors. Genre à côté de Mudog. Ok, vas-y. Ok. Parce que je vais capturer un. Ouais, j'ai compris l'idée. Un renard. Allez. Je me mute. Enfin, je me def et je. J'arrive sur toi quoi. C'est bon, c'est def là? Oui. Ok. Du coup, bon, Nostal. Hein. C'est pas un mauvais jeu en soi, mais c'est vraiment pas mon genre de jeu de MMO, tout ça. C'est pas mauvais, mais j'ai pas trop envie de continuer à jouer maintenant. Du coup, je quitte ça. Je vais juste lancer le stream pour Histoire 2, mais ça fait 2 heures, ouais, c'est pas si mal. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je sais pas, enfin, Assassin's Creed sûrement, faut que je continue, faut vraiment que j'avance bien dessus. Et voilà tout. Du coup, à la prochaine. Bon week-end. Fin de stream.